normalement c'est bon. Oh mince, il faut que je remette ma lumière magique du démon là. Attendez. Au moins que vous voyez ma tronche. C'est comme ça. Oh. Je vais brancher. Je retourne différemment. Excusez-moi. Donc, malheureusement, contre-temps, pas de Stardew Valley. Olive qui est malheureusement malade, elle a besoin de repos. Elle a énormément bossé les semaines et mois précédents, elle est claquée. Et là, sa sinusite la rattrapait. Donc, en début d'après-midi, elle m'a dit une autre fois, Quick, j'en peux plus, repos. Elle a bien raison. Donc, on souhaite tous et toutes qu'à Olive, prompt rétablissement, qu'elle se repose. Et puis, c'est pas grave, ce n'est que partie remise. Elle va faire découvrir Stardew Valley, sûrement dans 15 jours. On a déjà parlé un petit peu agenda. Donc, à mon avis, dans 15 jours, elle va m'expliquer Stardew Valley, elle va me faire découvrir. Du coup, c'est le deuxième choix qui a été retenu. C'est Hérétique. Voilà. Voilà, voilà, je vais souffrir, comme vous le savez. Quatrième chapitre du premier opus. Pas poubelle, non, Frobose, non, pas poubelle. Mais c'est reporté dans 15 jours. Bon, c'est pas grave, c'est pas là, comme j'ai dit, ce n'est que partie remise. Game file load. J'en étais où? J'étais dans le 1, j'étais dans le 2, j'étais dans le 3. Oh, je sais plus du tout où j'en étais. Alors là, j'ai pas l'air idiot parce que ça fait tellement longtemps que j'ai pas joué que je ne sais plus du tout. Alors attends, je vais regarder déjà en nombre de clés. On va remonter. Le 6, j'ai la clé jaune. 5, j'ai la clé jaune. Ah, là j'ai la jaune et la verte. Là j'ai la jaune. À mon avis, c'est la 4, la plus récente. Ouais, je dirais que c'est la 4, la plus récente. Normalement, c'est ça. Bonsoir, oui, il est 17h30. Je sais que le temps passe vite, mais... on est encore proche du solstice d'été. Donc, en théorie... Merde, j'avais oublié que ça téléportait, ça. Là, je suis en train de me faire démonter. Oh, je vais me faire déboîter 50 fois avant de... retrouver mes repères. Qu'est-ce qu'il est chiant. Ah, je l'ai eu. Alors. On va reprendre de 1. Je sauvegarde à 1. Oui, donc je pense que je vais faire Hérétique jusqu'à je sais pas quelle heure. Au moins jusqu'à 19h. Et puis après, je basculerai sur du Half-Life 1. Et vers les 21h, je pense que je ferai le tableau mystère. Et puis je rendrai l'antenne, je prends un relais de chaîne à je sais pas qui. Ce sera la surprise de fin du direct. J'ai pas changé mon titre. Ah bon? Pas changer mon titre. Attends. J'ai sauvegardé à un... Alors attends. Au moins mes réglages sont bons au niveau de la caméra là et tout le tout team. Donc attends, je vais re-regarder. Je suis annoncé comme quoi Hérétique, Hérétique plus Half-Life. Donc c'est bon. Ça c'est correct. Et à l'écran, vous avez quoi? Vous avez Hérétique. Non, je vois pas ce que tu veux dire, tout est bon. Ah, merci FunFan pour le relais de chaîne. Merci, merci, merci. Du coup, il y a Elogear qui m'a mis dans le doute, mais pour moi, tout est bon.
Y a pas. Ben moi j'ai Tomb Raider. Ah non, il faut que tu rafraîchisses. F5. Faut que tu rafraîchisses, Elogear, c'est pour ça. Non, c'est bon, j'ai fait F5. Ok. Hop, je relance le jeu. Tic. Mais tu fais bien de le signaler parce qu'on sait jamais. J'essaie d'être le plus vigilant possible là-dessus. Et c'est vrai que je suis pas à l'abri d'un loupé, quoi. Donc, non, non, c'est bon, tout est en ordre. Écoute, Twitch et ses bugs. Oh merde, t'as une grosse migraine. Oh ma pauvre Olive, ton gars. C'est un relais de chaîne. Merci, j'espère que mon contenu et mon propos vous plairont. En tout cas, soyez les bienvenus. Bienvenue, bienvenue, bienvenue. Oui, merci pour le relais de Jet Fan, mais je suis attristé pour Olive, dont l'état de santé s'aggrave heure après heure. Dur. Oups. Me fait trucider. Pourquoi elles sont apparues subitement, les vilaines? Là, j'ai la vilaine là qui est apparue. Mais... c'est de la vraie 3D ou des lignes comme dans Doom? Alors j'ai du mal à te répondre par rapport à ta question. C'est de la vraie 3D ou des lignes comme Doom? Bah j'ai envie de dire un peu comme Doom. Bah oui, c'est le même moteur que Doom, comme dit FunFan. C'est le même moteur, donc voilà, c'est de la même trempe, l'algorithme est à peu près le même. Oups. Bon, la véritable 3D trigonométrique, on avait déjà parlé. La vraie 3D était arrivée avec Quake. Et là, c'est. On va dire les puristes diront que c'est de la 2,5D, mais encore c'est très discutable. Bref, c'est un jeu rétro. Ça nous procure du plaisir et c'est l'essentiel. Non mais sérieusement, moi je t'inviterais Frobose à regarder dans Wikipédia. Il y a des bonnes explications techniques. Tu te renseignes sur les moteurs de jeux vidéo 3D, et la base avec Wolfenstein, l'arrivée de Doom, etc. Tu peux avoir un fil conducteur d'explication sur les techniques des moteurs 3D. Ouais. Bon, alors, moi il faudrait que je trouve la clé bleue dans le monde vert. Pardon. Là j'ai le monde jaune, mais le monde vert il est où déjà? Je sais plus. Et ne sais plus, je suis perdu. Qui fout là, lui? Enfin, eux. Et merde. Oh, niveau balèze, hein. Je vais recommencer souvent. Comme la dernière fois, c'était la violence. Merde. Ah, j'ai pas su esquiver son tir à la noix. Pourtant, je reste aux abois. C'était son attaque. Oh, on entend le rire du démon. Le démon qui se rit de moi. Message de FunFan 1992 avec Frobud. Si tu veux, on passe sur ta voc pour discuter avec toi, émoticône souriant. Bah pourquoi pas, si le cœur vous en dit. Alors, pardon hein, pour ceux qui regardent, je vais devoir recouper le jeu pour réouvrir son Discord avant de relancer le jeu parce que sinon je perds le plein écran. Attendez, ça va être rapide, vous en faites pas.
Mais oui, pourquoi pas, on peut papoter. On est entre nous, peinard, il n'y a pas de souci. Attends, je suis où? Direct Twitch. Attendez, attendez! La logique veut que ce soit le direct Twitch. Bah oui. Direct Twitch. Oui, je veux pas qu'on soit trop nombreux non plus. Ouais, on continue la papote. Commencez chez moi, on Oui, la la termine chez papote. toi. Oui, y a pas de Bonjour. souci. Re, bonjour tout le monde. Par contre, attention, je sais que mon Discord, j'avais un problème au niveau du son. De mon côté, on vous entend beaucoup trop fort. C'est moi, hein, qui fais le réglage, hein, pas vous. Je précise. Ça Vous va en faites alors. pas. Papotez tranquillement. Voilà. Alors, si vous dites plus rien, ça va pas m'aider pour les réglages. Merci. Alors, bateau, bla, bateau. Bateau, bla, bateau. bla, Ouais, c'est bla. bien. Alors, oui, je Merci. te disais Doom, ouais. Doom, Hérétique, Hexen, tout ça, même Ride of Triad, c'est de la Upload aussi, c'est pas 2.5D. mal. Upload, c'est C'était pas pas. mal. Ouais. C'est à partir de Quake qu'on considère, comme l'a dit le sage, la 3D. Bien que pour moi, vraiment, c'est à partir de Quake 2 que pour moi, il y a une vraie révolution. Je trouve qu'avant Quake 2, en termes. Voilà. Ou Half-Life, qui est vraiment aussi. On le verra après, Half-Life. Ouais. Ah, j'ai vu, ça a l'air chaud, hein, l'hérétique là. Je sais pas s'il va y arriver au bout. Je sais pas, ouais, c'est la violence. C'est vraiment la violence. Ah, vous avez voté, hein, je vous avais prévenu, hein, je vous avais dit que le 4, c'est du larmes et des sangs. Mais après, si vraiment t'en as marre, tu peux laisser tomber, hein. Bah, je basculerai sur Half-Life tout à l'heure, mais je vais essayer de tenir jusqu'à 19h quand même. Non, quand je dis quand t'en as marre, si tu veux vraiment le laisser tomber, je vais pas t'en vouloir. C'est trop dur, c'est trop dur. Terra, je vais peut-être me le garder en bouche-trou, tu sais, durant l'été pour combler quelques minutes quand il y aura besoin. Si Ouais, je c'est ce devrais que prendre je fais, cette moi. décision. Et Terra, ouais. si vraiment t'as du mal, tu demandes des codes à tonton Quinten, il doit en avoir dans sa besace. Pareil, je dis pas non, on verra. Bon, personne t'en voudra de tricher sur un jeu qui a presque 30 ans, hein. Bah, c'est pas parce qu'il a 30 ans, c'est parce qu'il est la difficulté est méchamment relevée, oui. Pardon. Alors, ma grande fierté, souvenez-vous, c'est d'avoir pataté le Minotaur. Le fait d'avoir mis une correction au Minotaur, là, comme c'est un vrai boss, là, j'étais pas peu fier de vous avoir quitté au dernier épisode sur une victoire. Voilà, c'est Moi, la je dépouille. t'ai Pour vu, moi, je par cherchais un café au exemple. lait. Fierté, alors c'est, j'en ai deux dans le FPS, c'est d'avoir pataté le boss en CD dans Doom Eternal et même le boss final, hein, voilà, de l'avoir pataté dans le premier DLC, même si c'est en facile. Et d'avoir pataté le premier boss de Duke avec sur une PS1. Ah, il fallait le faire. La PS1, c'est pas le PC, quoi. C'est bien. C'est vrai. D'ailleurs, Hérétique était sorti sur console. Mais ça n'a pas dû bien marcher puisque les autres jeux de la saga, ils ont plus jamais sorti sur console. Donc ça a pas dû, ils n'ont pas dû avoir de bonnes ventes sur la 64 et la PlayStation. Ou pour des raisons techniques. Mais bon, moi je pense que c'est plutôt les ventes qui devraient pas être à la hauteur. Peut-être technique aussi, peut-être aussi. Je suis partout. D'ailleurs, quand si c'est Half-Life, je quitterai la vocale pour profiter du scénario, même si je connais dialogue. Oui, Là. sans offense. Oui, je couperai sûrement la vocale dès que je serai sur Half-Life, ouais, pour apprécier pour tout le monde. Oui, je suis d'accord. C'est pour ça que le Duke, je l'ai fait tout seul de mon côté. Ouf, la liche derrière carrément. Le Duke, je l'ai fait de mon côté pour que tout le monde apprécie sa VF pas extraordinaire, mais c'était rigolo. Mais bon, là, je pense qu'une fois que notre ami Dragon Sky, il aura fait les tests
de Worms, du moment que tout le monde a fait au moins une session. Je pense que le dimanche prochain, on fera le stream de Worms. Hein. Faudra qu'on voit, parce que si je fais un stream sur Worms 3 heures, c'est un peu bon. 5 heures, ça me paraît bien. Faudra que tu bloques quelques-unes de tes heures, mais après, si toi de ton côté tu voudras streamer le Worms, ça peut être rigolo aussi. Pourquoi pas, hein. Surtout que c'est au tour par tour. Je pense que c'est gérable de gérer un chat, mais faut voir. Oh, j'ai fini le niveau. Oh, le pied. Ce qui me fait peur, c'est que, alors moi je suis avec la rediff, tu n'as que 9 points de vie, et que le pire va t'arriver. J'espère que tu vas pas avoir l'effet de j'arrive, je crève. C'est possible. Block house. Ah, ça va, il y a des vides sur le niveau, ça c'est sympa. Hein? Allez, bougez-vous. Les vilaines gorgouilles. Ouais, ça fait vraiment très doux. Là. Là, tu vois, ça fait doux, doux. Des méchants comme ça d'un côté là que tu peux pas atteindre. Ouais, après t'as toujours cette soluce de te laisser crever, mais le problème c'est que si tu te laisses crever, tu repars avec plein de vie, mais avec un arsenal de base, quoi, c'est impossible. Oui, c'est impossible, oui. T'es en normal ou en facile? Je suis en normal, sur les 5 niveaux de difficulté, je suis au 3ème. Au 3ème? Ah ouais, déjà que t'es hard, tu le mets quand même pas en facile, c'est pas bon. Non, non, je suis en normal. Difficulté 3 de 5. C'est par défaut, en fait. Donc ça voudrait dire qu'il y a, en fait, très facile, facile, normal, difficile et très difficile, en fait. Exactement. D'accord. Ouais, mais oui, c'était comme ça à l'époque des Idées Sonneurs, ouais, c'est ça. Dans Doom, c'est pareil. En fait, dans Doom, quand tu fais... en fait... À cette époque-là, la difficulté, elle ne jouait pas sur l'IA, mais ça, je dis trop boss. Ah non, pardon, ouais, je lisais mon truc. Ouais. Donc, à cette époque-là, sur Doom, je sais pas si c'est pareil sur Heretic ou Hexen, mais je pense que oui. Revoili, me revoilou. Alors, j'ai fait une petite découverte, j'avais envie d'un petit orca. J'ai dit, tiens, je regardais dans mon placard, il y avait une boîte de sardines. J'ai pris une boîte de sardine à l'olive, verte, et bah, je suis pas ouvert la boîte, mais pas une seule rondelle d'olive. Alors je me suis dit, c'est peut-être du fait que c'est de la du distributeur dans lequel j'ai acheté, qu'il n'y avait pas d'olive, c'était moins cher que les sardines de marque. J'avais dit, les sardines de marque, et les petites rondelles d'olive, c'est toujours un plaisir de les manger avec les sardines. Et voilà, bon bah j'ai fait une découverte. Et est-ce que c'est une olive qui tue? Non. Ah bon, alors ça c'est la vraie question. C'est pas évident de parler avec la voix cassée. Hein. Je sais pas si c'est audible ce que je dis. Oui, ça va. C'est olive que tu dis, oui. Je suis en train de tester la méthode Elogir. Elogir. J'ai mis du chocolat dans le café au lait. Et ça va, c'est bon. Pas mauvais, vu qu'il y a du lait, ça passe mieux. Tous les mamoules qu'il y a. Et c'est quoi comme monstre? On dirait des taureaux à deux pattes sur le pied. Plutôt, je dirais des sangliers. Ah, c'est bien, tu t'es refait un peu en vie, ça fait plaisir.
la gratuite. Il dit derrière qu'il y avait une bouteille. J'ai remarqué qu'il y avait une arme. Il te donnait des points de vie. Mmh. Le sage. Ouais. Là, la bouteille. Ah oui, la voilà. Ah, là, voilà. Que souvent tu les rates, mais je comprends. Quand on est spectateur et gamer, c'est pas la même chose. Mmh. C'est le genre de reprise que c'est un peu. Ah, c'est bien, tu t'es refait en vie, ça c'est bien, c'est bien. Donc, il faut pas hésiter dans ce jeu à se promener, à revenir pour faire les gunfights un peu plus tard quand on s'est refait. Quoi. Oh là là. C'est ça. T'es refait que déjà t'es vide. Donc je disais, dans Doom, quand tu fais les difficultés, tu prenais le niveau facile, bon bah voilà, ils avaient un temps de réaction qui était... T'avais très peu d'ennemis avec un temps de réaction assez long. Tu les prenais en deuxième difficulté, tu avais le même nombre d'ennemis, mais avec un temps de réaction qui était beaucoup plus rapide. Voilà. Et voilà, donc tu étais avec le même temps de réaction, mais t'avais... d'ennemis. Si tu le prenais dans le quatrième, les ennemis, en plus d'être un peu plus réactifs et d'être encore plus nombreux, ils te faisaient deux fois plus de dégâts. Et si tu le prenais dans la cinquième, c'était les mêmes. À la seule différence, c'est que dans la dernière difficulté, toutes les, je ne sais pas, 20 minutes, on va dire, les ennemis respawnent après leur mort. Donc là, c'est vraiment hard. D'ailleurs, ce niveau de difficulté est considéré par la base des fans comme un peu absurde. Je pense que c'est pas une solution d'attaquer deux côtés le sac. C'est soit tout là-bas ou soit ce qui tourne de ce côté, mais je pense que tu gaspilles plus tes munitions. Je pense pas que t'en as des tonnes. Non, oui, je disais, oh punaise. Donc voilà, et d'ailleurs je disais que la dernière difficulté de Doom est considérée comme absurde par les fans et compagnie, et souvent les speedrunners ils se basent sur la quatrième difficulté plutôt que la cinquième. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des speedruns, mais les speedruns se localisent plus sur la quatrième et voilà. La Nightmare... D'ailleurs, anecdote sur la Nightmare, quand tu fais la Nightmare, tu ne peux pas utiliser des codes en ultra-violent en plus. Mais pas en Nightmare. Ils t'interdisent les codes. Oh. Oui, et puis c'est très bien. Ouais, j'ai vu, j'ai les notifs. Ouais. Qu'il faut acheter pour rien et que j'y joue pas et que... Oui, je comprends. En plus, je suis très sélectif, moi, et trois quarts, c'est tout le déprimé. Moi, à part acheter des jeux rétro, console, en général, j'ai plus trop de véhicules sur le PC, mais j'en prends un, je pourrais faire ça. Je vais voir. La peau de vache, comment qu'elle m'a doublé la gargouille. Bon, en termes de DI, il est fait. Non, ce serait cru sur l'autoroute avec la gargouille. L'autoroute. Là, je la gère beaucoup mieux. Oh, j'en ai marre de ma souris. Elle est nulle à chier pour faire les copier-coller, c'est pas possible. Alors, eux, pour les avoir effectivement dans le cercle intérieur, ça va être chiant. Ah, ce fameux jeu-là. Ouais.
m'assure qu'il n'y a vraiment plus personne dans le cercle extérieur. Correct. C'est le FPS avec les cowboys, c'est ça? Voilà, c'est ça. Alors, je vais chercher ça. Ah, mais... Oh, je l'avais pas pris celui-là. Ça. On va vérifier un truc un peu. Non ? Ah, c'est bien que je suis mieux. Ça y est, j'ai un 3 points de vie, mais voilà pas que je les ai tous trucidés. C'est pas urgent, c'est pas. C'était pour ça. Je t'ai donné, hein, t'inquiète pas. C'est juste une proposition. Mais attends. Indécente ou. Non, pas de dégâts. Non, là j'ai fait de la merde. Je me suis déconcentré. Précédente que j'ai tapé. Non, c'est pas le problème. J'en ai eu. Bon, bah, c'est pas grave. Je sais pas comment ça va marcher, mais je vais donner celle-là. Non, t'es pas obligé de donner celle-là. T'inquiète. Non. On crée une, hein. On crée une nouvelle, hein. C'est pas un problème. Ah non, je vais pas en créer une nouvelle. Je t'ai dit que j'en ai déjà deux. Je vais pas en créer une troisième, je pense. D'accord. Le problème, c'est que en fait, j'en ai une qui est personnelle. Oui. C'est sur celle-là que mes comptes GOG sont mis dessus. D'accord. Et l'autre, il n'y a pas mes comptes GOG, alors je sais pas comment ça marche. Si je... Mais normalement. Non, mais c'est juste n'importe laquelle, hein, tant que tu reçois le message. D'accord, bon, bah, ça va alors. Celle-là alors. Voilà. Après, je vais pouvoir l'affilier dans mon catalogue de tous mes jeux, en fait, après. Voilà. Bon, au pire, je peux retenir ça, la peine. Je cherche. Je poserai la question à l'ultime. Oula, un point de vie. Est-ce que c'est, d'ailleurs, le sage, est-ce que c'est comme dans Doom, c'est-à-dire que... Ah, t'as les gants, super. Il faut avoir encore des ennemis à côté. Mmh. Ah, tu peux utiliser les gants, non ? Je sais pas. Mmh. Après, pour un ennemi... Après, pour un ennemi, c'est du gaspillage, c'est ça le problème. Oui, j'allais dire, est-ce que, tu vois, je me souviens que dans Doom, parce que j'ai pas trop joué à Heretic et Hexen, ah, mais t'as le truc. Ah ouais. Ouais, bon. J'ai le truc. Le truc rose, là, qui problématique des points. Oui, j'allais dire, est-ce que quand tu meurs et que tu revis, est-ce que comme dans Doom, c'est-à-dire que les ennemis s'arrêtent, tu vois, dans Doom, quand t'es mort et que tu relances la partie, les ennemis se remettent en mode gelé, on va dire. Est-ce que c'est le même cas Ah, un ennemi, ça te refait pas mal quand même, mais bon, c'est un peu gaspiller le livre, non, pour un ennemi. Mais... Non, j'entabilise encore le bouquin au moment où tu vas voir le direct avec 10 secondes. C'est même la violence d'ailleurs.
perdre hein. davantage. Il faut le rentabiliser, hein, perdu pour perdre. Complètement. Donc oui, je disais, est-ce que les ennemis ils se remettent en mode privé quand tu relances une partie? Ou est-ce qu'au contraire, ils sont toujours en mode on te cherche et on dès qu'on te voit, ils vont tirer dessus? La deuxième solution. Ah ouais. Ouais, ah, dans ce que j'ai compris du jeu, c'est la deuxième. D'accord. Parce que dans Doom, quand tu crèves, les ennemis se mettent en mode pas bouger. Tant que tu n'as pas tiré une balle, ils se rendorment. Ouais, je vois que. Non, j'ai l'impression qu'ils se mettent en mode top. Il y a un message, votre fan. Oui, oui, je les vois, ne t'inquiète pas. Mais c'est ce que j'avais beaucoup de choses à mettre. Merde, erreur stratégique majeure. Oui, tu as raison, il vaut mieux au cas où Frobos, tu te ferais pirater par les rats de Dragon Sky. Voilà, exactement. Aïe aïe aïe, oh, il est excellent, excellent. Je sais pas où il va aller chercher son imagination, mais. Je sais pas, j'espère que c'est pas la faute à Tchernobyl quand même. Mais non, 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 je pense que son anecdote était vraiment authentique, mais il nous l'a un peu romancé. Oui, mais non, non, mais je pense que c'est un fait réel, j'en doute pas là-dessus. Il faut se méfier, des rats sont très intelligents. Ah ouais, mais là, le rat qui va dans l'évier, qui se met en mode ninja, qui peut découper des la fibre optique et découper... Possible, ça, il faut s'en méfier. Ah mais... Voilà, c'est bon. Ah bah j'ai déjà fait un... Et non, j'ai 402 mails. Bon, c'est que des pubs à la là, par contre, je perds le bénéfice du livre parce que j'ai pas pu remonter à temps. Ah, là, c'était avant. Info. Une vierge d'ennemis, tant pis. C'était vraiment l'originalité de Hérétique par rapport à tous les autres FPS, c'est que tu as une arme pour récupérer de la vie. Il y en a pas beaucoup des armes comme ça. Oui, mais vu la difficulté, en fait, il vaut mieux que ce soit comme ça. Ah, bah oui. Mais ça a été pensé justement, ils ont dit on va le faire hard mais avec une arme dévastatrice. Alors moi si je le fais ce sera facile. À la limite je peux faire peut-être le premier épisode en normal parce qu'il est moins dur mais à partir du deuxième. Enfin la clé. Mais les cartes sont réalisées avec génie. C'est bon. Bien le chargeur vient. Le nombre de munitions que je balance en si peu de temps. Pas dans le dos. Ouais non là je suis cerné là, ils sont en train de me serrer. Ça sert pas à être invisible les machins verts là. Si si si, il y a un avantage tactique. Ouais. Merde, je vais le faire maintenant parce qu'effectivement, il y a les mages qui mangent des raviolis, comme tu les désignes si bien, qui me coursent désormais et tu sais que je les aime pas. Ah oui, raviolis. Les mages de la SNR qui mangent des raviolis. Ouais. Elles sont coriaces, les salopards. Ah ouais, en plus ils volent, c'est...
Mais mine de rien, si tu remarques bien, c'est l'équivalent dans Doom des Cacodéons. Hein. Je passe des ennemis qui volent, parce que tu suivre un peu partout. Hyper puissant. Est-ce que Phobos aime les raviolis? Ah. Merde! J'ai failli sauvegarder. Je dois être la seule personne que quand je sauvegarde, sauvegarder sur 0 points de vie, c'est... C'est la sauvegarde fatale. Moi, j'ai la seule personne qui fait des sauvegardes que sur un seul slot et qui fait vraiment gaffe que la zone soit 100% sûre pour sauvegarder. Ou quasiment. Ça m'arrive de faire quelques sauvegardes. Voilà, mais ça sera. Après, tu as toujours la force. La force du gant. Ouais. Ah bah oui, mais je suis con, c'est pas le gant qui te manque, quoi. C'est le livre qui te faut avec, et lui, je suis bête. Le gant tout seul il fait rien du tout, mais il faut qu'il soit cumulé au livre. Et ouais, c'est ça qui complique tout. Merde. Santé, par la maison. Salopard. Ouh, t'as récupéré tes vies. Ah, l'urne, ça te redonne de tes vies, ça. Oui, et de la défense. Bien ça. L'armure. Non mais... Ah ouais, je n'avais pas fait gaffe. C'est dur. C'est vraiment dur. J'ai plus beaucoup de munitions. Là, j'ai de l'arme là qui est magnifique, mais... Faut pas que je vous mentir parce que je gâche. C'est l'équivalent du lance-roquette celui-là, donc. Je m'en voudrais de gâcher les munitions. Allez, exceptionnellement, je reprends le. Ah non. Merde, j'ai tiré trop près. C'est l'équivalent du lance-roquette. Je vais recharger là parce que j'ai pris trop cher. Gicler dans le jargon. Voilà. Merde, je suis congé. Ah ben ça c'est bien, je vais pouvoir le dire de Gog. Gog a un truc intelligent, ça fait plaisir. On m'a envoyé sur une de mes adresses email un cadeau, un jeu, mais ce n'est pas l'adresse qui est officielle, si tu veux, c'est pas
En fait, pour faire simple, j'ai deux adresses email. Une personnelle pour les impôts, machin, bidule. Et une autre plus pour le JV, tout ça. C'est mieux par rapport à toutes les notifs, tout ça. Il vaut mieux faire comme ça. Et donc, on m'a envoyé sur ma seconde adresse, qui n'est pas l'officielle, où j'avais pas mis GOG à l'époque, comme ça, où j'avais mis sur mon adresse personnelle les trucs de GOG, parce que j'avais pas encore créé. Après, j'ai fait la séparation quand j'ai commencé à être streamer. Et GOG a l'intelligence, GOG a l'intelligence de me rallier, c'est-à-dire que même si on m'a envoyé sur ma deuxième adresse email, en voulant répondre, le jeu qu'on m'a envoyé, il a été connecté sur mon adresse, sur mon compte à moi. Donc c'est... Enfin, je sais pas si j'explique bien. Oui, tu allies les deux adresses en fait, et GOG te le considère comme un alias, donc si tu réponds pas à la première porte qui toque, tu recevras le cadeau au pied de ta deuxième porte. Oui, symboliquement c'est ça. Oui, c'est bien. Ben, en fait, ils m'ont... En fait, quand... Tu reçois, et c'est la première fois que tu l'as fait. En fait, j'ai reçu un cadeau. Le cadeau, bon, on me dit machin bidule, le fait que d'appuyer sur le lien, on m'envoie sur le site de GOG, eh bien, automatiquement, ça me l'envoie sur ma bibliothèque d'origine, même si c'était pas mon adresse qui était liée. C'est vraiment bien foutu. Donc, je suis content que j'ai pas eu besoin de donner ma vraie adresse email pour ça, quoi. Donc voilà, ça fait vraiment plaisir de voir que... Bah voilà, si un jour vous voulez recevoir des cadeaux sur GOG, vous n'êtes pas obligé de donner votre adresse personnelle. Même si vous avez relié votre compte GOG à cette adresse-là. Ouais. Et pour être en partie discret, parce que je suis en direct, vous l'aurez compris, sur Steam, je vous avais demandé en direct qui était Nana sans... Hein, et c'était bien Twinsen. Il me l'a confirmé hier. Il avait trouvé Bastos, hein, il l'avait dit. Ouais, ouais, bien vu. C'est lui. Oh, comme il a valsé. Ouais, c'est violent. Ah, j'ai mon micro coupé, ok. Mince. Ah, donc je disais oui. D'où vient notre mépris. Voilà. C'est ta faute. C'est... Donc, pour revenir à ce que disait FunFan et le sage, sur Steam, pour envoyer un cadeau, il y a juste besoin de mettre contact sur le via Steam, dans la liste des amis ou des contacts. Et dans GOG, il faut juste avoir une adresse mail. Mais l'inverse n'est pas possible. Ah bah oui. Voilà. Mais en général, si t'as un compte sur GOG ou même sur ces sites-là, c'est que t'as une adresse email. Hein. Voilà, bah oui, oui. Mais c'est vrai qu'ils auraient pu faire un système encore plus simple. Tu as un compte Steam, tu donnes ton compte et hop, tu peux envoyer. C'est vrai, pareil. Sur Steam, c'est comme ça. Tu as ton compte Steam, tu donnes ton pseudo de compte Steam et ça marche. Ouais. Dans GOG, il n'y a pas le système là, c'est dommage. Que dans tes contacts GOG, tu peux puisses offrir des cadeaux directement sans avoir besoin de donner de mail. Ouais, mais c'est bien aussi par le... Alors, il y a aussi l'avantage de GOG, c'est que tu peux recevoir un cadeau sans être obligé d'être sur la plateforme. Et ça, c'est plutôt cool. Alors que sur Steam, t'es obligé d'avoir un compte. Oui, oui. Mais après, est-ce qu'on peut jouer à un jeu sans avoir de compte sur leur plateforme chez GOG? Je ne sais pas. Parce que si on doit avoir des cadeaux, mais que t'es obligé d'avoir un compte, ça revient même. Et quand même, c'est bien foutu. Oui, c'est bien foutu. Je suis content que j'ai pas été obligé de te donner mon adresse personnelle pour ça. Ouais. Ouais, c'est mieux. Alors, ils veulent ça et juste ça, ok. Ouais, je pense que là, tu pourras en utiliser un de carte flash, je sais pas. Ah non, t'as encore des vies dans le coin, non. Attends d'avoir tout récupéré. Non, ce serait du gaspillage. Ah, il faut pas oublier que j'ai du décalage. Hein. Tu devrais même pas regarder parce que là, t'as fait un beau nettoyage. Ça me paraît. Ah bah au moins, je te le dis avec le décalage. C'est bon. Quoi l'arme que t'as, Phoenix, là? Ça envoie des... Le sage. C'est l'équivalent du lance-roquette. Ouais. D'accord. Ça, on le retrouve dans Doom aussi. Hein. Le lance-roquette, après dans tout le jeu, mais... Et on va dire tellement vénère, de colère froide, parce
que là je me fais tellement arroser que je sors ce grand artefact qui est le sceptre équivalent lance-roquette. Donc, mais là, pas intérêt à venir me chercher. Là, je veux dire, tu prends les 5 armes que j'ai vu, c'est toutes les mêmes équivalents à Doom. Tu prends le cristal jaune, c'est l'équivalent du pistolet. Ton archer vert, ça peut être l'équivalent du pompe. Le machin bleu que tu as, c'est l'équivalent de la mitraillette. Et ça, c'est l'équivalent du lance-roquette. Le rêve d'un FPS où tu peux sortir toutes tes armes que tu portes et tirer sur l'ennemi puissant comme les boss. Quel FPS ? D'un FPS en particulier, aucun en particulier, mais juste un FPS où tu puisses sortir le lance-roquette en même temps que le pompe, que le flingue, que le lance-roquette, que la mitrailleuse, que la gatling, hop, tu t'avoines quoi. Mmh. T'as rêvé aussi d'un FPS où t'appuies sur un bouton et tous les ennemis du niveau ils tombent par terre. Oh, je plaisante. Hop, 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 hop. Ne jamais faire d'attaque frontale à une. Oula. Oh, l'acide. Elle est morte. Je disais, avec mon lance-roquette, faut pas venir me chercher. Oh mon dieu! Ah, il y a une liche! Elle est morte! Ah! Une deuxième. Waouh! Les gars, vous abusez sur les liches! Hein. Ouais, non mais c'est pas comme si la paire était le boss final du premier chapitre et là c'est devenu un ennemi commun, tu vois, donc tout va bien. Ah, c'est comme ça dans les FPS. Ouais, mais franchement là ils mettent la barre haut. J'insiste lourdement, mais le chapitre 4 et le chapitre 5 sont des chapitres bonus. Donc je savoure, mais on peut même dire que je déguste. Hein. Bonjour la violence. Après, j'allais dire, il fallait baisser la difficulté de base. Non, ça reste une alternative, on sait jamais, mais non, là, je persévère. Mais au moins, tu auras le plaisir d'avoir réussi. C'est ça. À vaincre sans péril, on triomphe sans gloire. La réplique. La réplique des gagnants. C'est ça. Non, ça a coupé. Tu as dit la réplique, mais on sait pas de qui. De Antoine de Cône, non ? Je sais plus moi-même, je vous invite à chercher sur internet. La réplique des gagnants, je sais plus. Non mais c'est sûrement... C'est peut-être Jules César qui a dit ça, je sais pas. Oh, il y a le Minotaur, je comprends pourquoi t'as crié. Tu as essayé de lui échapper et hop, de finir le niveau. Ou le tuer, au choix. Non, je crois que je vais l'esquiver parce que vu ce que l'autre m'a coûté, d'ailleurs il est en train de faire trempette là, il est dans le bassin. Voilà, je fais mes empêtes et lui il m'ignore, hein. Il a raison. Qu'il fasse mumuse dans sa patte. Ouais. Ah! Me fait allumer. Ah! On a hâte de mais voir. Non! Mais non, je vais me faire démolir. Ouais, on va voir ce qu'il y a derrière la porte, à mon avis il y a un petit cadeau. Il y a la mort derrière là. Oh putain, c'est pas les pires, mais ils sont chiants. Ah ouais. Oh, les enfants, ils t'ont pris en sandwich. Ah bah ça, c'est un coup des rats de Dragon Sky encore. Ça va devenir un rolling gag, ça, les rats de Dragon Sky. Hein. Il va se renommer rat. Hein. Et Raskai Papas. Ah non, on a des gars. Hein. À partir de maintenant, je ne verrai plus jamais Dragon Sky pareil, je tiens à le dire. Attention que l'autre il vient pas. Ah punaise, ça termine même pas. Bon, tant pis pour le flash. Hein. Le principal, c'est que t'es arrivé à t'enfuir.
Les GG. Ambulatoire, c'est un niveau qui se passe dans les EHPAD. Non mais c'est, en plus c'est honteux ce qui se passe dans nos EHPAD. Oh ouais. Ils ont un sens de l'accueil. Reviens au niveau précédent là. Ouh là là, les vies que t'as perdu, ouais, il vaut mieux reprendre la sauvegarde là. Ah, ça fait quoi? Ah, c'est rien. J'aime bien le Minotaur qui boude au coin. Ah, il monte vite quand même, hein. Je trouve. Hein. Moi, ce que j'aimerais, c'est le démonter. Et voilà. Tu es mort. Hop, 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 cette violence. D'accord, j'avais pas fait sauvegarde 5, si. Non, ça n'a rien à voir. Ça revient à ma sauvegarde 4. J'ai l'impression que le Minotaur il ramène sa fraise quand t'as récupéré les hack and flash. Mais si tu la récupères pas, j'ai l'impression pas qu'on se s'appelle les machins violets. Oui, je crois que tu as raison. Pardon. Bah, tu vois que si tu la récupères pas, bon, je lui lève un bonus, donc ça va, on est équitable. Allumer l'autre quand je lui ouvre la porte. Manière de perdre bêtement autant de vie. J'ai envie de la recommencer une énième fois parce que je suis pas satisfait de ma perte de vie qui est trop conséquente. Ah, bien sûr. Ça me braque, ça me frustre. Oula, on a entendu le Minotaur beugler. C'est vrai qu'on pourrait pas déterminer le cri d'un Minotaur vu qu'on a vu que ça existe. On sait même pas si ça a vraiment existé. Oui, c'est une créature mythologique. On pourrait dire que c'est un cri de taureau, vu qu'à la base c'est un taureau. Quand t'as récupéré les deux machins, tu devrais peut-être faire une nouvelle sauvegarde. Oui, je vais même sauvegarder à la toute fin de niveau, parce que là j'ai fait un truc propre et j'ai 95 points de vie. 94, pardon. Pas de... Ben non, oui, j'avais vu qu'il n'y avait pas de secret dans le truc, donc on y va. Oh punaise! Voilà, sauvegarde en 5. Je regarde la carte. Oh la vache, je suis qu'au troisième niveau. Que le troisième niveau. On ne peut pas imaginer le boss final. Il y en a un, parce que si. Non, je dis rien, je suis effrayé. Alors merde, attends. Je rembobine, voilà. T'as rien vu. Je vais peut-être changer d'arme, montrer de juice. Oh, il est beau ce chandelier. C'est bien. S'il est beau. Pensez un peu à ce de Wolfenstein. Oula. Génial, pardon. Oh, depuis que t'as commencé à bailler mon pauvre fun fan, ça m'a rendu contagieux là en baillement. Puis mis à mon tour alors que j'ai pas spécialement sommeil. Bah, il est pas rendu. Je me suis pas rendu compte. Oui. Ah. Ah, les vilaines, elles me griffent. Chat. Non, les gargouilles, c'est pire.
C'est tellement pire que je suis en train de me poser la question, mais comment je me tire d'affaire là? Une chose est certaine, c'est que je suis au chaud, hein, parce qu'au milieu du magma et de la lave en fusion là. Oh bah peut-être tu vas croiser Albert Wesker. Ouais! Bien vu. C'est probable. Faire quelque chose, mais j'ai pas capté. Je pense pas que c'est une bonne idée de sauvegarder ici. C'est pour ça que j'ai fait un autre emplacement, ne t'en fais pas. Ah. Celui-là est relevé, pas les autres. Non, effectivement, il faut que je rembobine la cassette là. Je reviens en arrière. C'est quand même frustrant ça que, qu'ils faisaient ça à l'époque. Ils te font des points où tu crèves pas, mais ils te bloquent quand même. C'est quoi un piège là? Heureusement, je trouve qu'aujourd'hui, personnellement, on en fait plus parce que c'était un peu abusé. Les points qui te font juste. Oui? Pardon, excuse-moi, non mais c'est une gargouille qui me. Et la suite du chemin. Le chemin, oh mon dieu, c'est là. Ça pourquoi? Et j'ai l'autre côté. Oh là! De l'autre côté, avec comité d'accueil. Oh, c'est violence gratis. On rase gratis. Alors. Donc, ça, c'est là où il y a les clés. Enfin, les. J'ai aucune clé. Pardon. Ça y est, je suis parti pour bailler jusqu'à 21h quand je rendrai l'antenne tout à l'heure. L'important, c'est de dormir sans bailler. Ouais. Ah ouais, pourquoi? Moi, je suis pour dire ça. Oh, tu sais, depuis que j'ai entendu l'histoire du Dragon Sky et des rats, je me suis dit que c'était crédible. Hein. Ah, tu me lâcheras plus. Hein. Ça y est, ça a fait ton week-end. Faut que je lui demande si ces rats, ils ont un chapeau et est-ce qu'ils peuvent fier dedans. Le sac. Bravo. Des gants. Ouais, c'est pas très délicat. Non ! La gargouille m'a poussé dans la lave. C'est pas élégant. Oh, mais dans ton jeu, toi, tu as des gants. Et. Secours, c'est ultra violent. Ultra violence. Et... Oh, super. Wow. C'est le mode de difficulté ultime dans quoi ? Je sais plus. Doom. Ah oui. 93, hein. Ouais, 93 et Doom 2. Ben non, si t'es inerte, tu te fais forcément démonter. Obligé de bouger. Clé jaune, bande de vilaines. Bande de vilaines gargouilles. Je vais pouvoir m'enfuir. Ah la 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 la. Alors, c'était quoi? C'était là. Non, en fait, ils font n'importe quoi, mes soldats. Ah, ne digère pas le plomb. Ah, t'es en train de jouer en pierre 3 En pierre 4, non, pierre 4. Ah, le 4. Moi, depuis, ma situation, comme vous le savez, a empiré. C'est la guerre.
Sauvegarde numéro 1. C'est bon aussi. Ça, merci pour le GG. Je viens de le voir. Avec 10 minutes de retard. Pas de rien. Ici, vilaine gargouille, que je t'arrache les ailes. Bon, y a pas d'éclaireur, tant pis. T'es foutu de tout. Oh là là, la clé est... Qu'est-ce que je vois? J'ai ma fenêtre volée là, en volée en pointillé, et bon oiseau qui est passé devant chez moi parce que j'ai eu une éclipse d'une demi-seconde, ça m'a fait flipper. Ah oui, j'ai une éclipse de soleil, ça fait mode Aztec. Pas dire ça. Merde, j'avais oublié que c'est de l'acide. Oh oh. Que d'une mare d'acide, que faire? Oh merde! Oh 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 oh, le comité d'accueil! Hop hop hop! Vilaine gargouille, pas mourir la vilaine gargouille. Alors la bonne arme, c'est le lance-roquette, son équivalent médiéval magique que j'ai en main. On va faire des petites forges. Merde, elle m'a eu. Peau de vache. Ah, j'aime bien ce mur là en doré, là ça fait bah presque le style égyptien, Lara Croft, j'adore. Leur tendance du moment là. Hic. C'est la clé bleue. Quel est le zigoto qui m'a... Bizarre. Je vais par le corridor.
Armes différentes. Ah oui, d'accord. Non, c'est Zigoto qui est là. Ah oui, j'avais pas vu. Heureusement qu'il a bougé, le Zigoto. Un passage que j'ai ouvert par inadvertance. Me plaît un escalier. Ah non 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 non, ça me plaît plus du tout. Ah non, les minotaures, j'en ai marre. Non non, moi j'en ai ras la corde, moi, du minotaure là, hein. Oh, déjà que j'ai une bête taureau déjà dans Tomb Raider tout à l'heure, j'en ai marre, moi, de déguster des bêtes à cornes, hein. L'Espagne, c'est fini, ça parle mal, pardon, je fais une accumulation de de clichés et amalgames. Oh mon dieu. C'est ça, descend en bas le Minotaure dans le bain d'acide et je fais péter toutes les boules explosives. Ah, ça me ferait bien marrer, le Minotaure là il va prendre cher. Seulement ça pouvait se produire, j'adore, ouais. Ah bah, je suis exaucé, il est tombé. Ça tire, abruti. Merde. Seulement je pouvais déclencher l'explosion. Ah, je peux pas lancer l'équivalent d'une grenade, évidemment, c'est pas dans la physique du truc. L'inverse de... Pas l'inverse. Ah si. Reste bien au milieu, mon grand. Merde, je tombe avec. Ah non, j'ai tout gâché. J'avais une occasion en or de me débarrasser du Minotaur, mais puissance. Puissance 4000. Merde, je sais plus, j'en étais où. Et je venais de zigouiller des liches, voilà. J'entends plus, c'est normal, je fais pas attention à mon Discord, ça a pas craché quand même. Non, non, toujours là. Toujours là. Okay. Toujours là. Seulement le Minotaur pouvait tomber. À nouveau. Je sais comment il y a. Sauf que là, je l'ai pas provoqué. Attends. Mais je vous entends très bien. Cool. Allez, viens, gros vilain. Allez, Minotaur là. Tatala, tatatata. Allez, le Minotaur. Bougou, 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 bougou. Tu vas te ramener tes cornes et tes fesses par ici. Viens par ici que je te donne ta correction par subterfuge. Et où on vit là? Mais viens voir au lieu de te faire ton mariole avec ton marteau là. Non non non. L'autre il m'allume, le salopard. Eh oh, viens donc. Un dé, comme disait leur moustique dans... Viens le petit coco, viens là. Oh merde. J'ai eu un coup de bol la première fois que j'ai gâché. Le Minotaure qui tombe dans le... J'ai trop envie de le faire tomber dans la fosse avec les explosifs. C'est trop tentant. Minotaure, tu es où? Ouais, là, pourquoi cette fois-ci les mots du genou là? Allez, fais pas ton timide, applique-toi. Viens, viens. Voilà.
Ça y est, on y croit, espoir. Alors, oh, il est derrière la porte, gros pato. Oh, ah non, mais je veux me le faire comme ça, le Minotaur. Je veux me le faire. Là, il m'a offert sur un plateau, là. Tu payeras pour tous les autres. Aïe, ouille. Voilà. Oui. Il est tombé dans la fosse. Je vais la faire façon terra. La fosse sceptique. C'est ça. Je vais décomposer comme un truc là. Mais bah, sauf que je comprends pas pourquoi j'arrive pas à tirer sur les. Ah bah, il était temps. Sauf que cet idiot n'était pas au bon endroit. Alors je la recommence. Il faut vraiment qu'il soit au milieu du truc. Merci. Voilà, là il a dégusté. Là il s'en est pris pas mal là. Ça me fait plaisir. Offert pas la maison. Allez, viens par ici que je te patate mon gros. Là je t'offre le dessert. Allez. Ouais, oui, c'est ça encore de moi, va. C'est ce que t'as de mieux à faire. Hé je me pose une question, là. Marche dans l'acide. Est-ce que ses sabots lui suffisent à survivre ou il faut... Et si j'attends, il est peut-être en train de fondre. Il a pas l'air de souffrir, c'est honteux. Ou des armes de siège. C'est honteux. Ouais. Bon. Et lui marcher dans l'acide. C'est son quotidien, quoi. Je rêve. Les sabots putrécides. Non, les sabots indestructibles. Ouais, mais c'est ça, quoi. C'est juste dégoûtant, quoi. Parce que c'est pas équitable, quoi. Toi, tu meurs comme un caca et c'est pas programmé pour les ennemis. C'est dégueulasse. C'est les jeux d'époque, c'est authentique. Ouais, mais là, c'est intellectuellement... mon latin va me revenir, excusez-moi. C'est de la malhonnêteté intellectuelle, une autre forme. Et là, normalement, à force de patauger dans l'acide, normalement, il devrait mourir, quoi. Ce serait de la lave, j'aurais le droit de demander un final façon Terminator 2. Sérieux, il meurt pas le mec. Le vilain Minotaur là, le vilain mec cornu. Oh, puis de toute façon, il est dans le bassin. Pour moi, je l'ai neutralisé. Allez, je reviens au niveau. Je vais aller voir la chambre du Minotaur. Forcément une récompense dans le truc, c'est pas possible autrement. Bah oui, il y a des récompenses. Pas Z. C'est même la carte du niveau, disons. La carte. Oh, il me reste beaucoup de choses à faire. Cet endroit est gigantesque.
Funfall. Je parle des commentaires de mes unités terrestres que sont les villageois, pour ceux qui suivent le chat. Besoin de plus de pierres. Est mort là. On n'entend plus. Ah non, il est là. Oh, un endroit secret. Parti, désolé. Ah. Voilà. Une nourriture est pour. Dans le doute, j'y retourne. Je ne l'avais plus appuyé, oui, il faut que j'enregistre un peu. Ça donne sur une salle que je connais pas. Voilà. Exact, il faut que je retourne par là-bas. Passage secret du bon ouf. Orbe d'énergie. Oh, j'ai la carte complète dans du. Par ici. Ah, je pensais que j'allais voir. Mais non, je vais pas retourner là où il y a le Minotaur. Il est en train de faire trempette dans l'acide qui y reste. Aïe. Ah, ça va être bien sur 19h. Oui, je vais pas tarder à passer sur Half-Life. Ouais, pas de soucis. Ouais, si t'en as marre, tu peux déjà t'arrêter là, hein. Ne te force pas, il faut que ça reste un plaisir. Non, elle l'est encore.
Bien que dans les FPS, on aime bien souffrir un peu, mais bon. Mais non, là, parce que j'ai une idée en tête, en fait. Il y a qui se sont pas trop embêtés, on dirait les décors du premier épisode. Un peu. Bon, après, en matière de décors, ils n'avaient pas l'air d'en avoir beaucoup dans Hérétique. Là où il y a trop de publicité, c'est chez Aerostar. J'aime beaucoup, mais sur son serveur, il y a une pub pour le Shop Gang, une pub pour lui, une publicité pour les membres du serveur. Je trouve qu'il y en a trop. Ouais, bon. Ah ouais, j'avais oublié cette arme-là. Pour une sorte de mitraillette aussi. L'équivalent de ça. Les yeux qui fatiguent. En même temps, je regarde un peu de loin. Les deux surveillent, je surveille. Que je perds beaucoup de munitions. Un peu de brouillon, mais. Oh là 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 là, après la foire fouille, la foire aux gargouilles. Oh non, je me fais généreusement griffer. Non, 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 non. De loin les vilains, vous faites where? Et les vilains sont pas là. Ouais, t'es épileptique, hein. Et vas-y. Oh mon dieu! Passage obscur. Sérieux, j'ai pas de torche là. Bande de salopios. Je suis l'orc le plus puissant qui soit. Non, je suis un elfe, merde, j'ai n'importe quoi. Je suis un elfe, oula, oula, oula. Ah, je viens de comprendre. Merde, et la torche, c'est tout. Un truc passage secret là, c'était. Ah, c'est peut-être le même que j'ai fait. Ah non! Non, 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 c'est pas du tout le même. Ouhouhouhou! J'ai croisé un vilain en toge qui mange des raviolis là.
Oh mon dieu! C'est quoi ce niveau? J'ai fait une terrible chute. Wow! Mais ils sont combien? Sur la guerre! Tiens, goutte de mes carreaux d'arbalète, ville sagon. Elle est rigolote, la musique du jeu. Moi je suis venu ici pour faire de la vie, voilà. Ben. J'ai tracé, j'en ai marre. Bon, il y a la clé bleue qui est toute proche et qui me tend les bras, mais. Il me manque un. Un interrupteur. Un interrupteur, le secret. Oh, le secret. L'interrupteur est ici. Où est le second? Ah! Oh! La torche tant convoitée. Alors, maintenant que j'ai la torche boitée, je vais me faire un stage. Tiens, j'ai récupéré un bouquin de nécromancie. Ah bah voilà, Tipa, qu'on voit vachement mieux. Ah, les salopards. Ah, les brigands. Ils ont bien conçu le niveau, va, je te le dis, moi. Voilà, c'est tout ce que j'ai déclaré. Ouais, bravo, c'est magnifique. À moi, le sceau sacré bleu. Youhou! On file la porte correspondante. Allez, je termine le niveau et puis on passe sur du Half-Life. À mon avis, dans un quart d'heure, j'ai fini le niveau. On a fait pour le truc, c'est. Termine parce que j'ai la carte en tête en plus d'avoir la carte intégralement des. C'est plus ici, on est. La Half-Life. Gog. Actuel d'hérétique, mon cher FunFan. Half-Life, je te le dis tout de suite, je vais le redécouvrir. Hein. Le 1, ça fait plusieurs années que j'y ai pas rejoué. Ça va être un bonheur pour moi. Oh, le début, c'est tranquille, jusqu'à que tu fasses l'expérience. Oh, même un petit peu après encore, ça va, mais ouais, ça monte crescendo. La difficulté est bien dosée. Attends, je suis en train de faire des bêtises. J'affirme avoir la carte en tête et finalement, je suis en train de me perdre. Moi, le.
le jeu, je l'ai fait jusqu'à jusqu'au premier boss, là, le boss, la grosse main, là. Voilà. C'est pas une main. Ah oui. La plante, là, qu'il faut. J'ai jamais trouvé où étaient les interrupteurs pour la cramer. Donc j'ai utilisé des codes. Mais tout ce qui a été avant, pas besoin de codes. Oui. Est-ce que tu feras aussi toutes les trois petites extensions aussi, Gauthier des compagnies ou... Je te l'ai promis. Il y a que Gauthier, je crois pas que tu pourras faire Gauthier. Pour le contenu additionnel officiel, je le ferai, ne t'en fais pas. Ouais, mais il me semble que Gauthier, c'est un contenu additionnel qui existe que pour la PlayStation 2. Oui, on verra, t'inquiète pas, mais j'en ferai un max. En plus, ce qui est génial dans le bouquet, c'est que tu peux le faire en équipe, mais je crois pas que sur PS2, la COP... Je crois pas que la COP multijoueur, ça existait à l'époque de la PS2. Parce que sinon, on aurait pu le faire ensemble, hein. Ça aurait été rigolo. Ah oui, ça aurait été rigolo. J'aurais tu été viens de me faire voir comme un bleu, je suis deg. J'aurais été Gina Cross et toi tu aurais été l'autre. Je ne sais plus comment tu t'appelles. Celle qui... J'aurais trop été aimé faire Gina Cross parce que c'est la tarée qui a un rire diabolique chaque fois qu'elle tue un monstre. Ah non mais... Et là t'es dans l'acide, le sage. Non, là c'est le la fête fraîche là. D'accord. L'acide est de couleur grise. D'accord. Et Provin, j'ai demandé tout à l'heure, mais t'avais coupé ton micro. Est-ce que t'aimes bien les raviolis? Oui, j'aime bien les raviolis, mais c'est maison. Ah! J'ai jamais appris à les faire, mais. J'ai appris à faire une formation. Une fois que le sage passera sur Altaï, j'irai me faire à manger, je regarderai le début depuis mon téléphone. Mmh. Ça va pas tarder là, j'arrive à la fin du niveau. Et c'est sadique le passage là avec les murs qui le plafond qui s'est. Là j'ai l'impression que t'as moins galéré que la dernière fois quand même. T'as le moins de monstres. Ah non, il y a quand même des cadavres. Ah, y'a Elo qui te troll et qui te dit ah pourquoi Probos les raviolis c'est du connu, fais pas confiance Probos 1. Hein? Ouais. Ouais. Ça fait très longtemps que j'ai pas mangé de raviolis industriels. Pas très longtemps, non. Ah, je disais le sage, j'ai l'impression que tu as moins galéré que la dernière fois, je me trompe. Aurais-je gagné en expérience? Oui, c'est possible. D'ailleurs, si vous l'avez pas bien vu, il va falloir que je vous exhibe fièrement mon deuxième t-shirt. Bon, là, je vais commencer parce que je me... Attends. Oh, hop, c'est pas la bonne sauvegarde, là. Et après, bon, je pense que si tu galères moins, c'est peut-être... Oula, c'est... pas trop peut-être une question d'expérience, c'est peut-être le fait qu'au début du jeu, comme tu as tous les monstres et que t'as pas d'armes, c'est chaud. Et après, comme tu récupères les armes, c'est vraiment... Boum, quoi. Boum, 2016. Encore que 2016, c'est la tarte. Pas dire ça. Pour moi, c'est sûr que comparé à Eternal, il est plus simple. Ouais. Plus plaisant à jouer. Même à regarder, voir quelqu'un qui errait dans Doom Eternal, c'est pas... Alors, bouquin de nécromancien. Mais par contre, moi je dis que tout joueur avant d'essayer Eternal se doit de passer par celui de faire. Bon, il y a eu juste quelques fous qui ont essayé directement parce que mais j'aime pas, je veux le dernier jeu à la mode et compagnie. Ouais. Et voilà, oui. Ah, les enfoirés, ils bougent en plus. Parce qu'il y a la deuxième chose, oui.
Eternal, mais voilà, c'est le nouveau tout. Si déjà tu te sens pas bien dans Doom 2016, n'essaye pas Eternal. Je viens d'expérimenter une nouvelle fois l'ultra-violence. Mais non, mais... Les gants... Mais non, mais le jeu m'a fait quoi, là? Il était pas censé bugger et me changer l'arme? Elle est limitée, le coup des gants. Faut arrêter. Qu'est-ce qu'il allait me changer l'arme, lui? Il y a mis speech, là, j'ai mis speech. Non, c'est un bug. Ça, c'est un bug. La vache. Ça, c'est une Dragon Sky. Le gars a triché, il m'a changé d'arme. C'est vraiment brutal, le jeu. C'est vraiment brutal. Voilà. 40 000. Ah, le truc, ça active des monstres. Ok. Ah non, mais là, il y en a trop qui dégustent des raviolis, là. Ils sont trop nombreux, là. Mais non. Raviolis. Ou alors, je mise sur l'immortalité. Ça va être violent. Dire que je voulais jouer à ce jeu. Dire que j'allais l'acheter. Oh, il a l'air super dur, quoi. C'était plus c'était Excel, mais il y a très longtemps. Ouais, mais après, il faut dire que le chat, je le fais en troisième difficulté. Si tu le mets en 1 ou en 2, ça... Ça va rester jouable. Ah, t'es obligé de l'activer dans la difficulté. Ah oui, non, mais là, non, L'invulnérabilité. L'invisibilité, c'est pour être invisible. Oui, je suis fatigué. L'invincibilité, pardon. C'est pas grave. Que je voyais qu'en fait, il était d'une autre couleur, le décor, du coup, j'ai fait une... faire un amalgame. Tu seras puni, tu devras manger des raviolis. Des raviolis industriels. Tellement violent que oui, non, on peut dire que j'ai eu les deux à la fois. J'ai bénéficié de l'invulnérabilité. Ah. Ça, il y a que les rats de Dragon Sky normalement qui vont ça. Ouais. Ah, il faudra qu'il m'envoie une photo de ses rats, hein, parce que ces rats géants là. Il y a des portes dans tous les sens. Vache. Ah, il devrait faire des jeux vidéo avec ses rats. Ça. Wouhou! T'as terminé? Voilà. Ouais, si vous avez des dernières choses à vous dire en vocal, c'est maintenant, parce que dans 2 minutes, j'aurai zappé sur Half-Life. Wouh! Bah écoute, c'est temps du jeu, là, en fait. Hein. Bah bon appétit à ceux qui vont manger. Ouais, bon appétit à ceux qui vont manger. C'est mon cas. Moi, je vais écouter la suite par téléphone au début, pendant que je vais faire ma purée, que Twinsen en soit jaloux. Surtout que, on était ravioli, mais fait maison, hein. Ah, mais là, je vais manger de la purée. Ah. Mais pas de la fait maison. Dans les règles qui fait maison. Mais parce qu'en fait, mes raviolis, elles sont pas fait maison parce que je les fais dans un appartement. Surtout du mec en scout avec une tête de cochon, il a trop joué à Watch Dogs, je crois. Ma blague était nulle. Non mais je l'ai pas entendu. Je n'ai pas fait gaffe à ta blague. Oh, je suis désolé. Les raviolis à fait maison, je peux pas les manger. Je les... Parce que moi, c'est dans un appartement. Du coup, c'est fait appartement. Quoi. Bravo. Bravo. Tu as fait 47 citations. Tu as bourré ton tableau citation. Non. Je ne peux pas rentrer. C'est que pour les streamers, les tableaux de citation. Sinon, on s'en sort plus. Ouais. Là, vous voyez, je m'offre une vraie pause, là, parce que... Ouh, j'ai l'impression d'avoir fait une démonstration d'athlète, là. Mais j'ai quand même. Oui, merci. Ah, si, ah ouais, là, j'espère que vous avez apprécié le spectacle. Je vais bien dormir cette nuit, hein. Rien que la session, là, hérétique, je vais bien dormir cette nuit. Je vous le dis. J'écris du boudin. Ah, il faut mettre un GG, évidemment. Comme tu veux.
lui acheter un GG. Hydrater le sage, hop. Alors je vais changer la catégorie. Par contre, je préviens à Flive, je le fais de manière improvisée, c'est-à-dire que j'ai fait aucun réglage. Donc oula. Attendez-vous à ce que le son vous pète aux oreilles, attendez-vous à ce que ce soit pas calibré. Coucou Erika, je viens d'arriver. Oui, bonjour Erika. Ah oui, malheureusement, t'as fait une saisie en majuscule. Bienvenue Erika, comment ça va? Pour le petit coucou. Ah, j'espère que tu vas pouvoir nous dire que tu vas bien. Alors attends, alors que je me prépare à lancer. Ah, j'écris GG, pourquoi j'écris GG? Oh zut, pardon. C'est resté, le truc qui est resté. GG pour saluer Erika, GG pour ton bannissement. C'est nul ce que j'ai écrit, pardon, excuse-moi Erika, excuse-moi, ça m'a échappé. J'ai pas fait gaffe à ce que je t'avais. Involontaire, en même temps, c'est drôle. Moi, après Frobos, je resterai pas avec toi en vocal, puisqu'après, comme je vais manger et qu'après, je vais regarder Fort Boyard, du coup, je ne resterai pas avec toi en vocal. Ouais. Le stream est terminé. Ouais. Voilà, tu pourras profiter du jeu si tu veux. Ou okay. Alors, une autre vocale. Bah, tu verras ce que tu veux. Attends, quelle heure il est? Ah, je vais. Non, il est tard. Je vais aller m'enjouiller. Je vais manger aussi. Ouais. Donc, je vais vous laisser. Je vous souhaite une bonne soirée. Bon, moi, j'attends que le stream ait commencé sur Alfly. Ouais. Mmh. Allez. Je vais rester sur stream de loin, mais pas en vocal. Voilà. Pas allez. De soucis. Salut. Ciao, ciao. À bientôt. Oh, j'espère que Erika l'a pas mal pris parce que je vois qu'elle. Elle n'est pas sur la liste déconnectée. Bah, elle a fait un petit coucou, mais bon, voilà, c'est pas, elle reviendra. Bah, bon, voilà. Ça arrive le coup de. Sinon, je vais écrire un petit mot, tu sais, en antenne. Ça arrive, ce genre de petit incident. Wizbot aussi devrait offrir des abonnements. Il bat de légion. Ah, ce serait trop bien. Ce serait complètement craqué. Ah, mais si Wizbot il faisait ça, mais tout le monde s'amuserait à être banni pour avoir un abonnement. Oui, oui. Moi, le premier. Il y aurait un trafic. Bon, je coupe la vocale. Excuse-moi, mon cher FunFan. Non, merci. Je vais pouvoir manger. Bonne app. Allez, je me lance dans Half-Life. Merci pour tout. Moi, je vais passer à Cyberfun. T'as raison. Allez, bonne app à tout à l'heure. Allez, on coupe les deux à la sieste. Oui, j'ai fait. Ah là là, merci tout plein. Alors attendez, il faut que je gère mon Half-Life. Deviens tout fou avec Gordon Freeman. Oh mon dieu. Et il est là. Oh là là. Qu'est-ce qui se passe si je fais ça? Ça. Ça. Ça, 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 ça. Ah, 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 eh, pas mal pour un premier essai, là. Oh. Quasiment le cadrage à la Lara Croft, on peut s'en contenter. Pas mal. Le retour que j'ai est pas dégueu. Ouais, là, j'ai le Guidon Freezer, le héros de Half-Life. Oui, Gordon. Ben, oui. Mon dieu. Nouvelle partie. Sélectionnez les modifications d'entraînement et cliquez sur jouer. Je vais peut-être reprendre la salle d'entraînement pour me remettre en selle. Et voir si mes touches sont pas trop archaïques. Comment ça? Ah oui. Parcours d'obstacles. Oh mon dieu! Ah! Bonjour ah oui. Et bienvenue au parcours d'obstacles de Black Mesa. Vous y serez entraîné à utiliser votre combinaison de protection en environnement hostile. Commencez par enfiler votre combinaison, elle est accrochée juste devant vous. Si vous bonjour, voyez madame. Un de ces boutons, appuyez dessus et j'apparaîtrai. Oui, mais tu répondras pas si je te parle.
Alors comment appuyer? Bonjour et bienvenue au parcours d'obstacles de Black Mesa. Vous y serez entraîné à utiliser votre combinaison. La combinaison. Bon, bon. Alors évidemment, le premier truc que t'as envie de faire dans la salle d'entraînement, c'est de faire l'idiot et de quick. Oula, j'ai joué quand la dernière fois? On n'a même pas l'année. C'est indécent. 2018. Ma dernière partie remonte à il y a 5 ans. 2018. Oh la vache. Oh, po, po. Ça va me rappeler des souvenirs. Oui, sauvegarder. Surtout qu'il y a des... il y a eu des mises à jour depuis toutes ces années. Comment je fais pour sauter? Ah, espace. Il faudra... alors, aujourd'hui, comme c'est le début, ça va, je peux garder le clavier classique. Mais... ouais, je peux mourir vraiment bêtement. Mais je me personnaliserai les touches pour la prochaine session de jeu. Quoi, je suis pas dans le bon sens? Ah, attends, je viens d'où? Vous aurez peut-être un peu de mal au début à vous déplacer dans votre combinaison. Prenez le temps de vous familiariser avec son utilisation. Vous ferez rapidement corps avec elle. Je vous retrouve à l'angle du prochain couloir. C'est vraiment hostile, hein, le complexe de... oh, oh, j'ai fermé. J'ai verrouillé. Le G-Man était derrière la porte. Ah, alors voilà. C'est méprisant. Ce niveau de... estimé d'intelligence du joueur. Il n'y a qu'une sortie et... enfin bon, bref. Le premier mouvement auquel vous allez vous entraîner est le saut. Vous allez essayer de traverser ce couloir rempli de tuyaux uniquement en courant et en sautant. Prenez de l'élan. Regardez-moi faire et essayez à votre tour. On va se le faire façon Mario là. Bon travail. Ces nouvelles combinaisons ne sont pas faciles à prendre en main. À présent, dirigez-vous vers la zone suivante. Scientifique en veste blanche, taisez-vous. Maintenant, vous allez apprendre à vous accroupir. Remarquez que lorsque vous vous agenouillez, votre combinaison passe automatiquement en mode furtif. Vous faites alors moins de bruit en vous déplaçant. Pas la touche. Ah! Ah, c'est la touche contrôle. Bravo, c'est à peine si je vous ai remarqué. Dirigez-vous vers la zone suivante. Quoi, tu ferais bien de changer tes paires de lunettes. Nous allons maintenant combiner plusieurs actions. Vous allez sauter, vous accroupir, puis sauter à nouveau. Entraînez-vous, car dans la salle suivante, vous devrez effectuer ces deux mouvements en même temps. Beau travail. Je crois que vous êtes prêt pour l'exercice suivant. Pour entrer dans ces tuyaux, vous devez effectuer un saut accroupi. Placez-vous juste devant l'entrée du tuyau et continuez d'avancer. Sautez et une fois en l'air, appuyez sur la touche permettant de vous accroupir. C'est un peu difficile, mais ça se révélera très pratique. Oui, alors là, oui, j'étais en train de m'encastrer dans le décor, là. C'est vrai que c'est pas évident. J'ai l'impression que Gordon est en mode courir tout le temps, donc ça aide pas. Magnifique. Magnifique. Allez droit sur l'échelle, regardez vers le haut et continuez d'avancer. Si vous voulez redescendre, il suffit de reculer. Pas ici, je veux savoir. Les trois prochains sauts sont plus difficiles à réussir, mais pas impossibles. Ne soyez donc pas étonnés si vous ne parvenez pas à réussir le troisième saut du premier. Super.
clair. Il ne vous reste plus qu'un type de soie. Le bronzo utilise son propre circuit d'accumulateur que vous pouvez voir ici. Pour effectuer un grand saut, vous devez vous accroupir, avancer et sauter. Lorsque vous serez sur la plateforme, appuyez sur le bouton et je vous ferai une démonstration. Attends, la touche accroupie, enfoncée et saut. D'accord. Magnifique. Ah oui. Oh. Là, sous la passerelle, il y a quelque chose? Non. Option. Oh Dieu. Pour utiliser l'ascenseur, allez jusqu'au bouton, placez-vous face à lui et appuyez sur la touche utilisée. Maintenant que vous êtes ici, il n'y a qu'un moyen de redescendre. Localisez la cible sur le plancher et essayez de l'atteindre. Si vous vous blessez, vous serez soigné dans la pièce suivante. Pas mal. Vous trouverez des modules de soins comme celui-ci un peu partout dans le centre de Black Mesa. Pour vous soigner, approchez-vous d'un module et appuyez sur la touche utilisée. Votre état de santé s'améliorera progressivement jusqu'à épuisement du module. Une fois la diode éteinte, le module de soins ne peut plus être utilisé. Simple. De rien. Oh. Merde, non. Oh, merde, c'est pas la bonne touche. C'est à L pour light, mais non. Pour faire tourner ce pont, allez jusqu'à la route contrôle et appuyez sur la touche utilisée. Sauter là aussi. Ah, tant que je sauvegarde. Ah, parcours d'obstacle. Ah oui, on peut tomber sans risque ici, ça va. Parfois, vous devrez vous passer de combinaison. Essayez de franchir cette fosse par vous-même. Vous devez en fait pousser cette caisse dans la fosse. Ce n'est pas difficile. Il suffit d'aller vous coller contre la caisse et de la pousser. Si vous ne pouvez pas pousser un objet qui vous gêne, essayez de le tirer. Pour tirer une caisse, allez vous coller contre elle et appuyez sur la touche utilisée. Maintenez enfoncée la touche utilisée et reculez lentement. Décidément, on retrouve les grillons là, les scarabées de l'Égypte avec Lara Croft. Ils sont partout, ces bestioles. Les ennemis les plus nombreux dans le jeu vidéo, c'est le zombie, ensuite c'est l'araignée, et ben en troisième, c'est le scarabée. Parce que là, on s'en coltine, dis donc. Voilà, ta-ta-ta. Essayez de réduire en miettes les objets qui vous gênent.
Prenez le pied biche sur la table derrière vous et ouvrez un passage. Alors par contre, à ma grande surprise, c'est peut-être à la souris, oui. Oui, que je suis chauffeur. Oh, à l'époque, c'était révolutionnaire. Trop bien! J'étais trop bien. Oh, ils ont pas traduit les vilains. Même la table. Ah non, il faut que je pète la... Mais oui, forcément. Pour la zone suivante, allumez votre lampe torche. Agression ! J'ai peur, hein ? Je suis violent ! Pas d'animer mes docs. Alors, la lampe torche. Non, alors franchement, mes touches sont pas correctes parce que je sais pas quelle est la touche pour la lampe. Formidable. Souvenez-vous que la lampe torche utilise de l'énergie. Éteignez-la lorsque vous n'en avez plus besoin. Ah, le stand de tir. Oulala, là là, ces canalisations d'égouts putrides et dégoûtants. Bienvenue au stand de tir de Black Mesa. Vous y apprendrez à tirer, à recharger votre arme et à utiliser le lance-grenade intégré. Veuillez prendre votre arme et avancer sur le pas de tir. Prends toutes les armes. Là, c'est trop beau, là. Allez voir. Je marche sur la table, même. Ce mépris. Ah, attends, je sauvegarde parce que je progresse pas mal, quand même. Je fais mon foufou dans l'entraînement, mais... J'avance pas mal. Pour finir le parcours, vous devez toucher toutes les cibles. Si vous en ratez une, ne vous inquiétez pas. Vous aurez à nouveau l'occasion de tirer dessus. Pensez à recharger quand vous en avez l'occasion pour ne pas vous retrouver à court de munitions dans un moment critique. Pour tirer avec le lance-grenade, utilisez le bouton de tir secondaire. Certaines cibles ne peuvent être détruites que par une grenade. Début de la séquence. 5, 4, 3, 2, 1... Oh la vache. C'est plus nerveux que le GIGN. De Black Mesa. Veuillez passer à la zone suivante. En nageant sous l'eau, vous allez consommer votre oxygène plus rapidement. Votre combinaison vous alertera sur le danger d'asphyxie. À mi-chemin de ce parcours aquatique, vous aurez l'occasion de remonter à la surface pour y reprendre votre respiration. Et respirez bien. Vous verrez l'indicateur d'oxygène revenir à son niveau optimal. Continuez à nager pour terminer le parcours. Largement dans l'eau, ça fait trop bizarre. Ah ah, je prends pas l'escalier. Voici un pôle d'énergie qui vous permet de recharger votre combinaison. Quand vos accumulateurs commencent à faiblir, montez sur un pôle d'énergie et appuyez sur la touche utilisée.
Les accumulateurs de votre combinaison se rechargeront progressivement jusqu'à épuisement du pôle d'énergie. Vous pouvez également utiliser des accumulateurs autonomes pour recharger votre combinaison. Si vous passez à travers le feu ou la vapeur brûlante, votre combinaison vous signalera le danger d'hyperthermie. Des indicateurs de position vous permettront de localiser précisément les dégâts occasionnés. Ah oui. À l'approche d'une zone radioactive, un témoin s'affichera dans le VTH de votre combinaison. Les menaces bactériologiques sont également signalées par des alarmes visuelles. Veuillez avancer jusqu'à la zone suivante. Oh, Olive. Demandez à un agent de sécurité de vous accompagner dans la pièce suivante. Il vous permettra d'utiliser le système ferroviaire. Vous devez pour cela vous approcher du garde et appuyer sur la touche « Utiliser ». Non, je fais une petite pause. Oui, merci Erika, oui je te lis. Hein. Bon, je suis venu vous dire un petit coucou, je pars lundi pour Montréal, 6 heures de route, pour aller porter les urnes, oui papa, maman, mercredi. Oui, bah ça va être une semaine de recueillement pour toi, ouais. Bon courage Erika, merci du petit coucou. Bah sois prudente sur la route. Hein. Prudence. Ouais, tu vas faire ta cérémonie mercredi. Ah, j'aurais une pensée pour toi. Mercredi, j'ai une grosse réunion de travail. Et comme dit Olive, courage. Semaine de fou en plus, ouais. Mmh. Ouais. Courage, Erika. Espérant au moins que t'aies le beau temps, quoi. C'est déjà ça. Ouais, merci du coucou. Ok, je vous suis. Ah oui, je veux bien que tu me suives. Oh, il y a du glouglou. Et là, mon glouglou, je le veux. Ah, voilà. Glouglou. Bonjour, messieurs. Oh là. C'était quoi qui était sur le tableau, là? Inspection. Avec le recul, tu te dis, les mecs qui bossent là, tu te dis, la dépression, elle arrive en 2 jours. Il n'y a pas un coin de lumière naturelle là, c'est... Tu sais que t'es dans un trou à rats. C'est horrible. Ah non, ils peuvent avoir un peu de lumière du jour. Bon, ça va. Je suis rassuré. Il faut qu'ils fassent quand même appuyez quelque part. Appuyez sur la touche utilisée pour mettre le train en marche. Utilisez les touches avancées et reculées pour accélérer ou ralentir le train. Appuyez à nouveau sur la touche utilisée pour stopper le train. Oui, t'as fini le ménage et puis tu vas laver ta voiture. Ah là là. Ouais, c'est la grande semaine ouais, pour toi, Erika. Ah bah, on aura une pensée pour toi, surtout mercredi, du coup. T'as fait partager l'info. Hein, Froboz, tu dis qu'il voulait faire une version Dreamcast du jeu qui n'a jamais vu le jour. Ah ouais. Wow. Je pense que sur Dreamcast, ça aurait fait fumer la console. Ah, je les aime bien ces véhicules là. Et à fond, on est fou. Vous avez terminé le parcours d'obstacles
obstacle de Black Mesa. Vous êtes à présent habilité à utiliser le modèle 4 de la combinaison de protection en milieu hostile. D'ailleurs. Oh là là. Je joue en moyen. D'accord, hein. Bon, je joue en moyen. ...95% cette version Dreamcast. Il existe, je crois, sur Steam, cette version qu'ont terminé les fans. Ah bon? Ah ouais. Censé être encore plus beau que pour que sur PC. Il faudra que je révise les capacités techniques de la console d'époque, mais... Monsieur. Bonjour et bienvenue à bord de cette rame automatique. Notre réseau de transport est exclusivement réservé au personnel du centre de recherche de Black Mesa. Vous pouvez vous promener dans la rame ou vous asseoir et profiter du voyage. Il est 8h47. La température extérieure est de 35 degrés. Elle atteindra 40 degrés cet après-midi. À l'intérieur du centre de recherche, la température est de 21 degrés. Pardon, FunFan. Cette rame assure la liaison entre les dortoirs du niveau 3 et les laboratoires du secteur C. Si vous souhaitez vous rendre au-delà du secteur C, veuillez emprunter une rame de haute sécurité au terminal de la zone 9. L'entrée en zone de haute sécurité est soumise à l'identification rétinienne. Si ce n'est déjà fait, présentez-vous au service du personnel afin de vous immatriculer. Extrême toxicité des matériaux utilisés au centre, il est interdit de fumer, de boire ou de manger à bord des rames de transport. Veuillez ne pas vous pencher en dehors de la rame. N'essayez pas d'ouvrir les portes avant l'arrêt complet en station. En cas de défaillance, les passagers sont priés de rester assis et d'attendre de nouvelles instructions. S'il s'avérait nécessaire de quitter la rame entre deux stations, les blessés doivent être évacués en priorité. N'approchez pas des rails électrifiés et rendez-vous au poste d'urgence le plus proche pour y attendre les secours. Nous en mettait plein la vue à l'époque. Et c'est vrai que ça en jette encore. Alors aujourd'hui, ça fait évidemment plus ridicule, mais c'est sympa comme intro. Un tour de manège gratos, ça se refuse pas. Se dérouleront ce soir à 19h au niveau 3. Les demi-finales sont réservées au personnel de haute sécurité. C'est en maintenant votre condition physique à excellent niveau que vous assurerez à votre personne ainsi qu'à tous vos collègues les meilleures chances de survie en cas de problème. Si vous connaissez quelqu'un présentant les qualités nécessaires, sachez que des postes sont à pourvoir immédiatement en manutention et premier niveau de sécurité. Contactez le service du personnel de Black Mesa pour de plus amples informations. Si vous connaissez des experts en sciences de la matière, biotechnologie ou autres disciplines scientifiques de haut niveau, veuillez contacter la direction du recrutement. Le centre de recherche de Black Mesa offre des chances égales d'emploi pour tous. Message à l'attention de tout le personnel.
Le contrôle des taux de contamination nucléaire et biologique est obligatoire. Toute absence injustifiée aux séances de contrôle fera l'objet d'un renvoi immédiat. Si vous pensez avoir été exposé à des matériaux radioactifs ou toxiques au cours de votre travail, contactez immédiatement votre officier de sécurité. Soyez prudent et intelligent, votre avenir en dépend. Laboratoire du secteur C et installation de contrôle. Éloignez-vous des portes automatiques. Attendez que l'officier de sécurité ait vérifié votre identité. Avant de descendre du train, vérifiez que vous n'avez oublié aucun effet personnel. Merci d'avoir voyagé à bord de notre rame. Nous vous souhaitons une journée agréable et productive. Bonjour, Monsieur Freeman. Vous êtes en retard, on dirait. Krenios, passerelle qui donne sur le néant. Vraiment, Krenios. Je vais te lire, Fourbos. J'avais oublié ce voyage. En fait, à l'époque, je voulais directement castagner, j'étais donc frustré. Mais là, avec tout ce que j'ai vu dans le monde du jeu vidéo et avec le recul, je trouve ça intéressant. Qu'est-ce que ce plan et cette salle est célèbre? Aïe aïe aïe. Ta-di-ta-di-ta-da. Qui est le plaisantin? Ah, monsieur Freeman, j'ai tout un tas de messages pour vous, mais mon ordinateur a planté il y a une vingtaine de minutes et je suis encore en train d'essayer de retrouver mes fichiers. Il y a des jours comme ça. Ils avaient quelques problèmes dans la salle de test aussi, mais je crois qu'ils les ont résolus. Ils m'ont demandé de vous y envoyer dès que vous aurez enfilé votre combinaison. Je pense comme eux. Tout ça m'a l'air parfaitement en ordre. Non, c'est la version d'origine, c'est pas une version remaster que je sache. Je pense signaler cette fluctuation. Version d'origine, Frambose. Oui, à l'époque. Oui, tout a l'air de fonctionner parfaitement. Directement dans l'art, là, c'était fait exprès. Ouais, c'était l'original. Oui, c'est l'original, ouais. Ouais. Comme quoi on est aux États-Unis. Voilà. Black Mesa, le centre de recherche qui brille sur notre petite planète entière. J'ai un vague souvenir que les personnages étaient un peu plus pixelisés. Oui, bah là, au niveau qualité graphique, je peux mettre le haut puisque le jeu est tellement vieux que ça va pas mettre à jour mon ordi. Pardon. Ah, ils sont beaux. Et puis il y a eu encore des mises à jour et des correctifs il n'y a pas si longtemps que ça, il y a quelques mois. Il y a encore mis à jour. Vous n'êtes pas sérieux. Si. Ça, je suis pas sérieux. Il a dit le monsieur. Il est pas content le monsieur. Ah, il me snob. Bonjour Gordon. Salut ma couille. Bon, je vous quitte, je vous laisse l'ordi, l'heure, bonne journée ou soirée. Merci, bisous tout plein. Merci Erika. Courage, force à toi. Bon courage pour la semaine, merci tout plein. Non, c'est strictement rien. C'est un grand jour, Freeman. Oui, sûr, mon gars.
Frobos, tu dis, je vais vérifier. J'ai le CD, oui. L'échantillon vient d'être livré au labo. Arrêtez de me poser cette question. Et ton nom. Ah. Oh. Là, qu'à faire? Je ne me hasarderai pas à faire la moindre suggestion. Alors, titoué. Quelque chose? Venez me voir après l'expérience. Ah. Pouvoir entendre leur conversation, c'est vachement bien fait. Espérons que les paramètres de confinement n'ont pas été modifiés. Pourquoi je les entends bien, eux, alors que eux, c'est... Scandaleux. Il faudrait recalculer les variables d'amortissement, vous ne croyez pas? Assurez-moi. Eh oui, la table périodique des éléments de Mendeleïev. Bonjour. Oh Yul. Oh là là. Ah, E égale MC2, on le voit en haut. Il est là, en haut à droite. Il y en a d'autres qui ont faim. Ouais, c'est une version un peu améliorée, ouais. Ouais, bah il y a des mises à jour. Oh, je peux être farceur, je crois. Ce rapport à l'administrateur. Mon Dieu, qu'est-ce que vous faites? Bah, je m'amuse un peu. Bon, allez, j'arrête la farce. Ah. Oula. Vous vous trompez de sas, monsieur Freeman. Vous savez bien que je ne peux pas vous laisser passer par là. Ah, elle est où la combinaison? Je sais plus. Elle est là, peut-être. Bonjour. Oh, Yul. Désolé, monsieur Freeman, mais je suis le garde. Désolé, monsieur Freeman. Mes ordres sont clairs. Je ne peux pas vous laisser entrer sans votre combinaison. C'est étrange. Ah. Ça fait plaisir de vous voir. Ah oui, alors, la salle de repos. La majeure partie des résultats de la simulation est parfaitement acceptable. Je me demande si je ne devrais pas refaire ce test. Qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il boit? Cet homme est un mystère. Oh, Enjoy. Je veux ma canette de Enjoy. Ma canette de Enjoy. Bon bah voilà. Ah, qui c'est qui a laissé sa canette en bas? Je l'ai eu. De l'Enjoy. Oh, mais c'est pas se servir. Pourquoi devons-nous tous porter ces cravates ridicules? Ah, il a peut-être raison, ça marche peut-être plus. J'ai peut-être tout pris en fait. Non, ça marche plus, ça marche plus. Et là, ça marche ou pas? Non, mais il a pas de bol. Attends. Hein? Mais si, prends ta canette, mec. Oh, elle est là. Bon, bref, il se débrouille. Tati, 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 tati. Ah, Gordon Freeman.
Bonjour, ça fait plaisir de vous voir. Oh Yul. Où est-ce que j'ai mis cette note? Pourquoi devons-nous tous porter ces cravates ridicules? Oh, ça te va bien. Alors, Wood, Bond, Backman, Lore, Steely, Ledlow. Qui est le plaisantin qui a caché mes lunettes? Affle-loup. Pour que t'en rachètes une nouvelle paire. Ça parle mal. Cassady, Coomer. La majeure partie des résultats de la simulation est parfaitement acceptable. Mm-hmm. Birdwell, John. On a Hitler, Tesla, Bailey Johnson et enfin Freeman. Oh, il y a quelqu'un aux toilettes. Oh, il y a du peuple aux toilettes. Je me demande si je ne devrais pas refaire ce test. Oui, tout a l'air de fonctionner parfaitement. Tout ça m'a l'air parfaitement en ordre. Désolé, monsieur Freeman, je peux pas vous laisser entrer sans votre combinaison de Schtroumpf. C'est les noms des développeurs sur les armoires. Ouais, c'est classe. Ils font tous ça. Enfin, oui. Et ils pondent leur praline aussi. Ah oui. Oh, c'est Mimi, le bébé qui dort. Message de Cyberphone 11, tu es dans la salle de la combinaison et tu peux déjà ouvrir ton casier, surtout fais-le après que tu aies récupéré ta combinaison, tu vas avoir un bonus. Ok. Oh Dieu, j'ai ouvert le chasse. Ce n'est pas le moment de me déranger. Oh, excuse-moi, rabat-joie. Bonjour, soyez le bienvenu dans votre combinaison de protection en milieu hostile. Capteur d'environnement activé, contrôle des fonctions. Énergie disponible, contrôle de munitions activé, contrôle de munitions activé, contrôle des systèmes de défense activé, système automatique de soins activé, une agréable journée. Une probabilité de résonance en chaîne. Vous vous trompez de sas, monsieur Freeman. Vous savez bien que je ne peux pas vous laisser passer par là. Ouais. Ah. Excusez-moi. Oui, les 15% de protection. Oui, mais c'est toujours bon à prendre. Merdome, c'est l'autre. Et qui font? C'est étrange. Oui, c'est étrange. Orange. Alors c'est votre tour aujourd'hui. Ah, pan. Je lui botte le cul. Garde parce que... en équipe. Docteur Freeman, veuillez vous présenter immédiatement au laboratoire de test des matériaux anormaux. Yep. Ah, c'est beau. Oh. Partie de Pong. Oh. Ah merde, j'avais pas vu que le bouton était sur le côté. Oh mince, j'ai fait un graffiti. Oh! Oh mon dieu! Attendez. Comment je fais ça? Ah, j'ai fait mon graffiti, j'ai pas compris. Ah oui, non, attends, ça c'est pour dire quelque chose. Oh! Non, eux c'est pour utiliser le graffiti qui m'a surpris. Ouais, c'est, j'ai recommencé à dire quelque chose. Comment j'ai fait le graffiti, moi? Ah! La lampe torche. La lampe torche, c'est F. Oh, mon dieu. C'est pas grave pour le graffiti. F pour la lampe torche. Fire, on va dire ça. Oh, puis crotte, je prends l'échelle.
Il n'y a pas d'espace intermédiaire, non. Non, il n'y a pas d'espace intermédiaire. Passer à la maintenance. Ah ah ah, il y a un truc en bas. Tu as pas dû le voir, je te l'ai dit que c'était F pour la lampe torche. Ah pardon. Non, je l'ai pas vu, excuse-moi. Ouais, excusez-moi. Hurle pas, je suis là. Bonjour. Bonjour. Ah oui, c'est laser de fou. Pas d'espace intermédiaire, mais un espace sous-médiaire. Après, je le reconnais, je t'ai simplement dit F sans préciser l'utilité de la touche. Ah ! À tout à l'heure, devant une bière. Ah ah ah, il y avait une mousse. Là, corrosif. Bonjour. Ah Gordon, vous voilà. Nous venons d'envoyer l'échantillon à la salle de test. Nous avons poussé le spectromètre anti-masse à 105%. C'est un peu risqué, mais il nous faut une résolution supérieure. L'administrateur tient vraiment à ce que nous parvenions à analyser cet échantillon. Je crois qu'ils ont eu du mal à se le procurer. Ils vous attendent, Gordon, dans la salle de test. Ah oui, il va me l'ouvrir pour moi. Attendez. Merci. Ah, c'est stylé. Là. Mais vos ordinateurs sont creux. Ça n'a pas été conçu pour ça à la base. Comme vos têtes. Ça parle mal. Mon dieu. Ah oui, caution, ouais, tu m'étonnes. Allez, on y go. Laboratoire de test. Alors, il me fait la gueule, lui. Ça fait plaisir de vous voir. Ah, toi au moins t'es jovial. Merci, monsieur. Gordon, je crois que nous allons devoir nous éloigner un peu des méthodes d'analyse. Message de Cyberphone 11, le noir qui est dans la salle où ça a explosé, il aura survécu et tu le retrouves dans le 2. C'est une chance unique, il s'agit de l'échantillon le plus pur que nous ayons jamais vu. Et potentiellement le plus instable. Oh, si on suit la procédure d'insertion, tout devrait bien se passer. Comment pouvez-vous dire cela? J'admets que le risque de résonance en chaîne est très limité, mais je n'aime pas le... Ça ne concerne pas notre ami Gordon. C'est un spécialiste parfaitement entraîné. Nous avons assuré l'administrateur que tout se passerait bien. Oui, vous avez raison. Gordon... Nous avons entièrement confiance en vous. Bien, allons-y. Faites-le entrer maintenant. D'accord, c'est le père d'Alix. Tu vois, j'avais pas fait le lien. Gordon, votre combinaison devrait vous protéger le temps de l'opération. Le spécimen vous sera bientôt envoyé. Montez et actionnez les rotors. Nous allons régler le spectromètre anti-masse à 80%. Fais péter.
Là, le mec, il se met au milieu et le gars, il devient Iron Man. Allez, pour la phase 1, énergie dans 3, 2, 1. Pour moi ! À moi ! Aïe, ouille ! Je vois la reste de phase. Attention, début de la phase 2, maintenant. Gordon, impossible de prédire combien de temps le système pourra fonctionner à ce niveau de charge. Attends, je regarde. Ni quoi ? Ah oui, il est temps de prendre l'analyse. Oui, bon, on verra. Condensateur supérieur à 105%. C'est ça le matériau ou c'est le truc jaune ? Un problème. Probablement pas, mais j'ai quelques écarts anormaux sur... Non, ça y est. Plus rien en dehors des limites de tolérance. Continuons. On m'informe que l'échantillon est prêt, Gordon. Préparez-vous à le réceptionner. Ah. Ah oui, c'est ça l'échantillon. On dirait une énorme pépite d'or. Procédure d'insertion. Stylé du diamant jaune. Un noir c'est noir, hein. J'ai pas de lumière. Oh, c'est stylé. Regardez-moi ça comme c'est beau. Coucou. Conséquences imprévues. Alarme ! Turok 2. Ah, j'avais essayé un peu Turok 1, puis j'ai pas trop accroché, malheureusement. Peut-être que je retenterai un jour sur mon antenne, allez savoir si j'ai le temps, on verra. C'est une trilogie, je crois, Turok, non ? Il y a le 1, le 2 et le 3, hein. Alors, sortons d'ici. Ah, il est mouru. Réservé au personnel accrédité. Ah, le pauvre. Message de Cyberphone 11, j'aime bien, tu es un grand scientifique qui travaille dans une base secrète et ton rôle est juste de pousser une caisse XD. Ouais, le mec il a bac plus 20, tu sais. Ça. De tête. Oh les vilains. Oh le vilain. Comment qu'il se la pète. Regardez-moi ça. Le vilain crabe de tête. Pourquoi ne nous ont-ils pas écoutés ? Nous allons essayer de les prévenir. Je n'aurais jamais pensé assister un jour à une résonance en chaîne. Et encore moins en créer une. Gordon, vous êtes vivant. Cette combinaison vous a sauvé. J'ai peur qu'on puisse le déplacer. Et tous nos téléphones sont morts. S'il vous plaît,
Allez à la surface et prévenez-les que nous sommes bloqués ici. Je vais vous aider à passer l'analyse rétinienne. Mes collègues aussi vous aideront, j'en suis sûr. Merci. Oh mon dieu. Ah, je t'aveugle, je t'éclaire à mort. Oh l'autre, comment qu'il se la pète. Bon, attends, faut que je lui dise de me suivre parce que... Oui, ça va tourner. Allons-y, merci. Merci bien. Voilà. Ah non, pas sur moi. Ouch. Merde, j'ai pas de pied de biche, ça la fout mal. Ah, le laser. Ah, qu'il est drôle le laser. Oh merde, y'en a un autre. Ah, le vrai pied de biche. Alors oh. Ah oui, il faut péter, c'est vrai. Voilà. Pas utiliser les ascenseurs lorsqu'il y a un incendie. Effectivement. C'est violent. Alors voilà. Il n'y a plus d'ascenseur. Par contre, il y a du matos dedans. Oh, il y a un malheureux qui a giclé comme un caca, il était à bord. Oh, Burke. Des restants de boyaux, c'est moche. Oh là là, quelle horreur. Oh mon dieu. Nice. Merde! De l'envie de regarder en bas, voilà, c'était trop tentant. Et c'est le drame. Première mort. Enfin, si on compte pas mon ânerie. Ah, je peux peut-être les sauver si j'appuie pas sur le bouton, non? Attends. J'appuie pas sur le bouton. Ça sert à rien. Ah si. Non, quoi qu'il arrive, ils sont morts les trois. C'est terrible, mais ils sont morts. Ah oui, c'est une trilogie, tu vois, quoi, tu me confirmes, merci. Ah les pauvres. Oh, il y a des boyaux en lévitation. C'est dégueulasse. Joli. Ah ah. Ah. Burke. Bref. C'est vrai que ça va très vite, hein, ça trace. On voit qu'avec le moteur aujourd'hui, on peut en faire un jeu très nerveux. Wow, me tire pas dessus. Et une saloperie de moins. Ça va, tranquille. Wow. Bon, pas voler ta mousse. Un truc mort ici. Quoi? Oula, oula, les panneaux qui se sont fait exploser. Oh, les pauvres. Oh, les vilains. Ça commence. Aïe. Je vais réveiller. Oulala. Arrêtez-moi ce micro-ondes. Il est plus dangereux que tout le reste.
Oh la vache. Pas revenir à la base. Et mes chamans ont pété. Il y a un truc en bas avec des crabes de tête. Ah. Tiens, attendez. Oh, calme ta joie, toi. Oh, il a failli se manger l'armoire. L'armoire électrique. Électronique. Trop bien. J'adore ce jeu. Ah. Ça n'est plus. Oh, l'ambiance discothèque. S'éclate en fait les scientifiques. En fait, ils vous ont menti. En fait, quand vient la nuit, qu'ils ont arrêté leur service, ils laissent les ordi ambiance disco et ils déclenchent comme ça tout, dans toutes les salles et les couloirs les rotations de lumière et là, c'est ambiance boule à facette et tout le monde s'éclate. Voilà. C'est ce qui se passe en vrai en fait. Leur recherche en fait, c'est un quart de siècle de recherche mais pour le disco seulement. Ah là là. Ah mon dieu. Oh bon joueur, Poupon. Ouais, chef-d'œuvre immortel, je suis d'accord. Pas la demande de Fun Fan. Fun Fan voulait que je le fasse sur mon antenne. Et puis, comme ça fait, on l'avait vu dans les dates de mes sauvegardes. Je l'avais pas fait depuis il y a plus de 5 ans. Voilà, on y retourne. Donc je vais refaire en fait tout doucement, je vais refaire l'intégrale PC, c'est-à-dire qu'après je ferai les contenus additionnels du 1, là le coup du garde et du lieutenant-colonel, là je sais plus quoi, le militaire. Puis on fera le 2 aussi, on enchaînera sur le 2. Bref, on en a pour des heures et des heures et des heures de pur bonheur quoi. Il y a un truc qui est... pas accessible tout de suite, mais bizarre. Bizarre, bizarre. C'est un idiot. Qu'est-ce qu'il faut? Déverrouiller un truc ailleurs. Ouais, en attendant le 3, oh là là, il y en a combien qui rêvent qu'un jour le 3 soit annoncé? Pas de la muse. Où est-ce que j'étais, pardon? Où est-ce que j'étais bloqué, moi? Ah, qui c'est qui s'est barré? C'est... Guthrie qui s'est barré, vite fait, bien fait. Guthrie qui a tout pris, quoi. Je retrouve mon bonus. Oh non, là, je peux pas ouvrir les autres casiers. Ah. Ils sont restés dans les chiottes ou ils sont morts? Ah non, il n'y a plus personne. Ah oui, bien la salutation. Bonjour cher Modo Cascadeur à base de tabouret. Alors pour ceux qui le savent pas, mais Fun Fan nous a gratifié d'un direct où il recevait son frangin. Et on n'avait que le son, parce que le jour-là, il n'y avait pas de webcam, il voulait rester discret, on le comprend. Mais presque au son, c'est presque plus drôle, en, on va dire, en pouvoir de suggestion. Et notre pauvre Fun Fan qui a brisé malencontreusement un tabouret en voulant s'asseoir. Voilà. Ah là 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 là. Donc le clip est culte chez Fun Fan. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, je vous invite à aller voir. Quand je l'ai revisionné, j'ai bien rigolé, parce que tout est au son, en fait. Bah, j'ai eu mon petit bonus de matos. Attendez, je sauvegarde. Ouk. Yeah.
Après ton direct, tu verras, je t'ai envoyé un chuchotement en Twitch, pas de stress. Ouais, je me regarderai volontiers ça tout à l'heure. Bah, je vais rendre l'antenne d'ici une heure, une grosse heure. Je pense que je rendrai l'antenne à 21h. Je joue encore une petite demi-heure, on fait le tableau mystère. Et je rendrai l'antenne à je sais pas qui, je verrai qui en direct pour faire un relais de chaîne dans la pure tradition Twitch. Et puis je regarderai volontiers tout ce que vous m'aurez mis en message privé, quelle que soit la plateforme, les mails, Twitch, Discord, etc. Il n'y a pas de souci, oui, merci tout plein. Bonsoir Twinsen, ça y est, ta journée est finie, t'es revenu, t'es rentré chez toi, t'es peinard. Alors attendez. Pas un truc à faire là. Merde, je sais plus. Alors c'est là et j'ai pas vu. Bah là déjà en plus je vais pas me priver de soin. Bon voyageur, tout ça. Je pars de la salle. Ah d'accord, oui, tu vas reprendre la route pour rentrer chez toi. Bah rentre prudemment, hein, Twinsen. T'as une grosse demi-heure avant le tableau de mystère. Alors n'appuie pas sur la pédale. J'attendrai si tu le souhaites. Je suis pas à un quart d'heure près. J'avais pas vu. J'ai du caca dans les yeux. La suite est là. Voilà le pauvre. Merde, attends, je vais te sauver, mec. Mais non, c'est de l'incassable. Oh, quelle horreur. Ah, oh, c'est horrible. Il est mort. J'ai pas pu le sauver. Oula. Oulala. Alors lui, il s'est fait bouffer. Oh, il n'y a plus de lumière. Et il est mort. Il est mort, le beurre. Oh. Hop, 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 elle est pipe. Y a rien sous les tables. Lumière. Attendez. Inspection de dessous les bureaux. Y a rien de rien. Non. Je suis déception. C'est pour moi. Dommage. L'horrible sadique, tu sais. Ah, j'ai gagné un flingue. Merci. J'aime beaucoup ton héritage. Oh là là, regardez-moi ces modèles 3D. C'est beau. Oh là là. Vous pouvez faire une capture d'écran si vous voulez. C'est horrible. C'est horrible. Alors, je vous lis. J'ai encore 40 minutes de... Alors attends. Vous allez trop vite. Attendez, pause. Je vous lis dans le chat. D'ailleurs, j'en profite pour faire une sauvegarde. Oui, bah oui, du coup on voit, c'est malin, Twinsen. Tu vas faire passer tes messages sur le sur mon direct, Canaillou. Alors attends, attends. Oui, couscous, oui. Ça y est, il a trouvé un truc, ça y est, il va me défoncer. Mon Dieu. Samedi prochain. Oui, t'as encore 40 minutes pour entrer. Tu pourras le faire, j'ai pas trouvé la moto. Ah, t'as pas trouvé la moto. D'accord. Bon, bah, début de... C'est soudain de minette et pas de veto de garde. Merde. Merde. Alors, oh là là, ma pauvre Olive. Ah ouais. Ah, mais l'enfer, quoi. Oh là là, la pauvre minette. Oh. Dur. Oui, bah oui, c'est une scène. Voilà, miaou, oui. Bon, Canaillou, là, c'est une scène. Comment je peux bloquer les notifications de messages? Attends, si je fais ça, ça va peut-être marcher. Tiens, je sais pas. Ah, mon Dieu, je suis en train de me planter dans mes fenêtres, au secours. Au secours. Alors, on vient à Half-Life. Oui. Non. Bon, faut que je passe par là. Et... Oh, il y a la cochonnerie de... Cochonnerie!
Aïe. Voilà. Je pensais que j'allais... Oups. J'allais le patater avant qu'il me fasse son coup, mais... Hop, 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 hop. Et oui. Un petit bug de l'eau qui coule un peu n'importe comment, ouais. Revenez ! Quoi ? Qui c'est qui a crié ? Ah ! Malheureux. Hein ? Non. T'es sauvé ou... Ah non. Dommage. Ah ! Mon dieu, quelle horreur. Ah, c'est écœurant. Toi, t'as rien à redire. Ravi de pouvoir aider un collègue. Oui, on va dire ça. C'est pas trash du tout. Ah, on se connaît. Oh merde. Cochonnerie. Ah, pilote qui se fait la malle. Quoi ? Passé. Oh mon dieu! Oh! Ah, il s'est barré le salopard! Salopard! Faut pas sauter! Bah. Oh, il m'a refusé le saut, le jeu! Moi, je m'arrête ici. Mais bah attends, je vais bientôt te rejoindre! Ah bon. Oh merde! Non! Alors, eux, on le saura plus tard, je vous expliquerai à la fin du jeu. Mais cette espèce-là est hostile dans le 1 et ils vont devenir gentils dans le 2. Oh merde, le pauvre est mort. Bon, génial, j'ai pas pu sauver mon collègue, je fais nimp. S'ouvre ça ? Ah oui, ah ! Attendez, il y a plusieurs directions possibles là, faut arrêter. Il y a plusieurs directions possibles. C'est enivrant, hein, Flife, c'est enivrant. Là, il y a des trucs. Vais appeler le veto de lundi matin, ça va aller pour elle, mais bon, fait chier. Un samedi soir, ouais. Ouais, ça va être dur pour demain, quoi. Oui, bonne idée de glouglouter. Merci de me le rappeler. Oui, mon verre est correct. Merci. Je vous laisse devant cette magnifique ventilation. À Noël, offrez un pied de biche. Plaisir d'offrir, joie de recevoir, ouais. Et c'est vrai que c'est lourd déjà en soi un pied de biche. Je sais pas si vous tous vous avez déjà tenu un pied de biche dans les mains, mais c'est quand même une barre de métal bien dense. Hein. Ça fait son poids, hein. Je dirais pas comme ça. Une barre comme ça, pied de biche, normalement ça fait pas loin de 3 kilos. Hein. Ah, attendez, faut que j'inaugure ma bouteille de flotte. Voilà, je me fais un soda dilué comme j'aime. Je mets un petit fond de soda, c'est-à-dire un quart. Et le reste, je mets de la flotte. Parce que sinon, c'est trop sucré pour moi. J'ai un restant de 7-Up pour pas nommer le soda. Oh, ça fait des bulles. Des bulles, c'est de la gazeuse. Ça dépend de la main. Sim devrait avoir plus de mal que Lino Ventura. Ouais, merci de m'avoir appelé de m'hydrater. Ah, fait du bien par où ça passe, comme on dit. Alors attendez, je ne sais plus, je peux aller à plein d'endroits. Moi, je peux aller là. Oh, ah! Qu'est-ce? Il est mort. Et t'as raison, mon gars, planque-toi. Cette ventilation de fou. Ils sont morts. Oh, l'autre qui joue à cache-cache. Oh merde. Ah, je suis tombé du coup. Oh, cochonnerie. Alors. Oh la vache.
Oh là là, j'ai ouvert la vanne. Je vais mourir noyé. Ah, manque d'oxygène. Attendez. On va prendre un peu de vie là. Et non, le truc il était où? Il était là. Papapi, papi, papou. Il retourne. Faut atteindre l'autre côté, j'ai compris. Faut aller par là. Oh la villa! Je l'ai eu. Oh Burke, les oeufs. Your oxygen is low. Go to your face. Oui, bah oui. Oula, le cochon qui a un bug de. Oh! On dirait, vous savez, la plateforme dans Resident Evil Zero. Quand on se barre de. À la toute fin, là, avec Billy et. J'ai oublié le nom de la miss. En plus, c'est celle que je préfère. Honte à moi. Non, pas. J'allais dire Rebecca Chamber, mais non, pas du tout. Regarde, il est où l'autre? Et c'est Rebecca Chambers. Mais oui, ici, c'est Rebecca Chambers. Mais oui. J'ai actionné le truc trop tôt et j'ai agi trop tard. On revient à la plateforme, sinon je vais mourir. Et si je shoot là, évidemment, je meurs. Je vais sauvegarder et on va s'amuser. Voilà. Adios, amigos. Oui, du ski, ouais. Ski de la mort qui tue. Je vais plus vite que la. Oh, c'est horrible. Tu meurs broyé. Ah, quelle horreur. Oh, quelle horreur. Mais c'est horrible ce truc. Papa, 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 papa. Bon. Ouais, c'est ça. Voilà ce qui arrive quand on fait du ski sans ski, ouais. J'espère qu'elle peut repartir en sens inverse parce que là sinon je suis dans la mouise. Reviens, sens contraire. Reviens. Viens. Bah oui, je réactionne, mais j'ai l'impression que ça marche pas. Non, la plateforme est pas arrivée en bas. Je crois que je suis vraiment dans la mouise. Pas descendre tout doucement. Reculant. Non, on recule pas. Oh la vache. Ouah, je gicle, mais alors... Oh là là, il y a de ces trucs, c'est horrible. Yahoo! Wow. Ah. Là, par un miracle, j'arrive sur le côté. Ah non, ça donne les dégâts de chute sont d'une violence inouïe, quoi. La plateforme qui arrive pépère. Voilà. Oh, message de FunFan 1992, émoticône triste. Bah oui. Oh là là, les autres qui arrivent derrière en plus. Oh là là, regardez-moi ça, c'est horrible. Oh oh oh. Oh, ça va, ils s'amusent. Alors eux, ça va, tranquille. Non mais on se croirait dans Interville là. Ça va, c'est les finalistes. Ouah. Ah bah merde, où alors? Je suis dans la mouise. Est-ce que je peux jouer avec les tonneaux?
Bah, je m'en fous, hein, je pousse le matos dans le vide. Bah, je peux pas les pousser? Oh, c'est nul. Ouais, peut-être qu'en rechargeant la scène, ça va peut-être. Je vais peut-être réinitialiser. Pas du tout. Pas du tout. Merde. Je peux plus. Je peux plus. Je peux plus réactionner la plateforme. Je suis vraiment dans la mouise. Si on y allait, reculons. Ah ah ah. Ah non. Oh, 7 est pas mal. J'ai 7 points de vie, mais je suis passé. Message de FunFan1992. Il me semble que les speedrunners arrivent à passer sans utiliser l'ascenseur. Oui, bah c'est pas rassurant du tout. Bourré, cochonnerie. Putain, mais il y en a plein. Et il m'en rajoute à l'infini ou quoi? Eh bah dis donc, la violence. Je recharge. Oh non, il m'en rajoute, mais c'est pas possible. Non, c'est vraiment infini là. Yo, je vais y aller au pied de biche, j'en ai marre de gaspiller mes balles. Moi. Cochonnerie, moi, je vous trucide, moi. Non, va mourir. Oh, saleté, saleté, là. Oh. Ah, je me disais, je ne touche même pas. Oh, du tout. Oh, c'est beau que son. Voilà. Ouh là là. Oui, alors je vais jouer du tuyau là. Pas avoir le vertige. Oh mon dieu. Hop là. Je plains le mec qui est en charge des raccords à ce niveau-là. Le mec, il doit avoir les chocottes quand il fait les raccords. Message là, de FunFan 1992. Là où tu as tué les crafts de tête, au-dessus, il y avait de la vie. Au-dessus? Ah bon? Tu sais pas comment on y accède. Oui, bon, on va voir avec ta suite. Bonsoir, Tomouf. Pardon, j'ai oublié de te saluer, mon cher Tomouf. J'espère que tu vas bien. Tic. Là-bas, il y a quoi? Attends, je sauvegarde parce que je pense qu'il vaut mieux que j'aille au truc intermédiaire. Ah, sauf que je peux pas le péter. Bon, bah. Y a pas de truc intermédiaire. Oh, moi je vais très bien, merci Tomouf. C'est cool, ouais, c'est bien que t'ailles bien. Oh mon dieu. Ah, j'ai vu une disquette. Une disquette souple. Ah, c'est de la. Oh. Ah ouais. Ah ouais. Ils s'en débarrassent comme ça. Je m'en souvenais pas. Oh l'autre, la toupie. Ah, il me crache dessus. Oh, alors là, je suis dans la mouise. Je vais passer de l'autre côté. Ah merde, je suis tombé. La vache, c'est violent ici.
Merde, il y a les... Message de FunFan1992, à force de t'appeler le sage de Nancy, j'ai oublié que Nancy peut être un prénom aussi. Ah oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Enfin, surtout côté outre-Atlantique, ou tête de nœud, là. Aux États-Unis, Nancy, c'est assez courant. Wow! Alors attends, lui, je vais me le faire au flingue parce qu'il va, il va m'allumer. Alors, ce sera plus fluide la prochaine partie parce que j'aurai personnalisé mes touches, j'aurai... Voilà. Là, je me fais ça un peu de manière caca-boudin. On scotine tous les écrans de... On scotine tous les écrans intermédiaires, mais après, d'une touche, je sauvegarderai, je chargerai à volonté, je fais un truc bien. Là, c'est parce que c'est la première de Half-Life. Ne t'inquiétez pas. La caisse me servira à rien, autant que je la pète, il y a peut-être quelque chose dedans. Non, il n'y a rien dedans. Oh. Oh, les cochonneries, là. Mange tout peu. Ah bah, il y avait plein de caisses en face. En face. Ah, j'ai pas fait exprès. Il y a plein de caisses en face. En face. Ah merde, en les poussant, j'aurais peut-être pu me générer un saut de... I. Ah oui, mais là je pourrais plus, là. Attends, voilà. Je crois qu'ils avaient dit dans le... à l'entraînement. Ah non, je suis... pas assez proche du truc. Là, il y a le truc de soin. Ah non, je peux pas courir à fond et non. Doom. Merdoum. Dommage. Ah, j'ai dû louper des trucs. J'avoue que j'ai dû louper des trucs. Si j'essaye de sprinter. Non, je suis trop court. C'est malheureux, mais... Quoi ? Qu'est-ce qu'il fout là, lui ? Bref. Non ! Mais... Oh ! Je vais trop vite. Bien fait pour ma tronche. Benny Hill, le mec. J'ai glitché, chef. Doucement. Ah. Oh là 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 là, c'est exigu, c'est étroit, c'est terrible. Terrible. Oh là 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 là. Oh là 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 là, tout s'est arrêté. Oh, ça fait peur. Mais en même temps, t'as qu'une envie. C'est d'aller voir ce qu'il y a au fond. Lumière. Il y a quoi au fond ? Ouais ! Maintenant, nous savons. Ah, il y a des trucs. Ah bah, c'est mes boyaux. Rebond, dark. Voilà, nous savons ce qu'il y a au fond. L'horreur. Mais il y a plein de trucs hein, que j'avais oublié. Évidemment. Le jeu de plateforme parfait. Tellement drôle. Ah, bon app hein, si vous êtes à table. Vu l'heure, c'est le moment idéal. Savourez votre repas. Je suis en train de me faire peur. Bonjour. Eh bien, oui, non, il n'y avait rien d'intermédiaire. Voilà. Ah. Ah. Où allons-nous? Ouais, papa, c'est quand qu'on va où? Alors, hop, re-sauvegarde. Parcours de fou, là.
Prenez jamais les ascenseurs quand ça dysfonctionne, mais là il n'y a pas d'escalier de secours. Le bâtiment est pas aux normes. Il va y avoir un escalier de secours là, c'est pas bien. Oh, c'est strange. Oh! Mon dieu, quelle horreur. J'ai toujours su qu'il était à croquer. Ah! On va voir ces boyaux giclés, ça va être atroce. Non, même pas. Cette suggestion dans l'horreur. Je n'aurais jamais cru que de... Ah oui, fascinant. Ah! L'autre, il s'est fait croquer. Oui, il faut passer par là. J'ai compris. Oh. Oh, ce son. Blablabla. J'entends. Gordon, si j'avais su que c'était vous, je vous aurais ouvert. Tout le monde essaie de retourner à la surface. Moi, je pense qu'ils sont dingues de ne pas rester ici. Il faudra bien que quelqu'un vienne à notre secours. Oh non, merde, je me suis fait avoir. Comme ah. C'est intéressant, regardez ça. Oui, très. Ça dégueule tout ce que ça avait gobé et pas encore digéré. Vous ne voulez pas examiner un de ces échantillons de sang au microscope? C'est pas vraiment le moment. Je sais, tout pour la science, mais quand même. Voilà, j'ai manipulé le disjoncteur. T'as plus de jus. Ah! Cochonnerie. Vas-y par ici que je te bastonne, toi. T'en sauvegarde et je bastonne. Bastonne! Je te bastonne, cochonnerie. Encore? Oh là 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 là. Burk, burk, burk. Ouais. Horreur. Alors, il n'y a plus le problème du jus. On passe. Bon. On passe ou on trépasse. On passe ou on trépasse. Ah, docteur Newell. Ah, théorie du chaos, recherche et développement. Ah, il a beaucoup avancé dans ses travaux de théorie du chaos, là. C'est vraiment le boxon. Voilà. Ah, stockage. Stockage. Oh non. Oh oh. Oh. On peut pas péter plus le stockage? Je récupère du matos. Qu'est-ce qu'il fait? Il est en train de défoncer l'armoire. Il monte là. Ah oui! Merci. T'as bien ouvré. Ah, ça pique. Ça pique. Quoi? Mais. Ah si, il y a quand même un peu de réserve dans le stockage. Quand même. Ah! Dans du stockage? Ah, intéressant. Mais non, mais arrêtez de remplir les couloirs de caisses vides. Mais c'est un scandale. Mais non, il n'y a que plus là-dedans, arrêtez. Ah, elle est solide celle-là. Oh vache. Oh merde, un crabe de tête. Crabe de tête, il va mourir. Ah, un survivant. Oh oui! Le sacro-saint fusil à pépon. C'est bon ça. Il y a peut-être quelque chose à me dire. Oh oh. T'as eu chaud, mon gars. Un très joli trophée dans le salon. Ouais, c'est sûr. C'est quoi cette odeur? Ton avis. À ton avis. C'est quoi cette odeur?
Ah, il est marrant le mec. Aïe aïe aïe. Ah, à moi les cartouches. Attends, y'a quoi en bas? Qu'est-ce qu'il y a en bas? Y'a rien en bas? Oh, on va pas me dire qu'il n'y a pas quelque chose dans les caisses. Bon allez, je patate les caisses et puis je sauvegarde. Je ferai la suite un autre jour. On va aller sur le tunnel mystère. Ah oui! De l'énergie pour la combi. Ah oui! Des soins. De la récompense de bien explorer les niveaux. Ils sont cassés le cul à faire les trucs en triangle. C'est trop la classe. Oh la classe. Tu me suis ou... Bon allez, suite au prochain épisode. Je vais sauvegarder là. Tac. Ah, c'était cool. Eh ben, ça m'a fait plaisir de redécouvrir Half-Life. Avec une, on va dire, une version améliorée. C'était très très sympa. Oh, je vois que vous êtes 11 dans mes compteurs. Merci à vous d'être là. Alors attendez, tableau mystère. Je vais remettre le plan de caméra où vous voyez ma tronche. La citation au pif, sans faire de sondage dans l'interface propre de TwinSen, ami. Bah, j'avais l'absucé, comme on dit. Oh mon dieu. Ah, je me pique les yeux, mais au moins vous me voyez bien. Oh, je peux bien souffrir avec les diodes électroluminescentes de la tronche le temps du tableau mystère, quoi. C'est pas pour un petit quart d'heure. Déjà, niveau confort, je vais vous mettre de la zik. Musique de fond. Pas trop fort, pas trop fort. De fond. Tableau mystère. Synchro avec. Synchro labial avec le son. Ah, j'avais laissé le compte à rebours, j'avais pas remis l'heure. Oh mon dieu. Pff, c'est pas grave. Dans mon compteur, c'est pas grave. Oui, voilà. Excusez-moi, mon t-shirt, c'est maintenant ou jamais que j'exhibe fièrement. Mon deuxième t-shirt. Un gamer ne vieillit pas, il level up. Ça, c'est beau. Voilà. C'est mon deuxième t-shirt favori. En dehors des t-shirts Minecraft, que j'aime beaucoup aussi. Voilà. Wally, Wallou, vous savez tout. Alors, qu'est-ce que je lis? Bonne soirée, à très vite, merci pour le spectacle. Oui, merci, monsieur Poupon. Bon week-end, bonne continuation. Puis on se retrouvera en semaine sur votre chaîne, monsieur Poupon. Ah, ça sera bien en soirée. D'ailleurs, ça fait longtemps que j'ai pas vu la description de la chaîne de monsieur Poupon. Minute papillon. En ambiance techno. Streamer de l'improbable, utilisateur d'expression périmée depuis 1892, excellent. Gameplay souvent approximatif, mais de tout sans prise de tête. Ma devise, je sens que ça va encore être épique. Ah ouais, viens. Viens. Ah, il faut que je rouvre mon tableur, moi. Tableau mystère, faut que je vois les réponses. Ça, c'est du bon son. Ah, il faut que je change le titre, tout ça. Attendez. C'est pas tout de danser. Et danser en transe. Entrer dans la transe. Oup. Voilà, la table au mystère. Et on va faire just chatting. Blablabla. Là, je suis en règle. Oh, framboise, j'ai cassé une caisse avec le c'est quoi cette odeur. Allez, tableau mystère, pan. Souvenez-vous, c'était ça. Il manquait le coup de la moto là en bas à droite. Alors, moi, il faut que je revoie vos réponses. Entre temps, j'ouvre la liste. Point d'exclamation TM comme tableau mystère. Point d'exclamation TM, espace suivi de votre réponse. Enfin, votre proposition de réponse. Sur à quel jeu ça correspond. On est quoi? On est le 2 juillet déjà. Oh mon dieu. Ah. Quel jour le tableau? Ouais. Ouk. C'est le tableau 58. Quelle est la réponse que vous m'avez pas trouvée?
Ah. Ah. Le tableau mystère vient de tomber. Et c'est pas une scène. Regardez bien ma tronche. C'est pas une scène qui a trouvé la dernière bonne réponse. C'est Dragon Sky. Bravo. Magnifique. Oui, je suis bien nourri et je suis un homme heureux. Je confirme. On retourne au tableau. Bravo, Dragon Sky. Oh, il a trouvé ce jeu délicieux que je n'ai jamais fait, j'avoue. Peut-être que je ferai un jour, hein. Allez savoir. Ça va être un abandonware normalement. Bien, Dragon Sky. La bonne réponse que j'attendais, c'était... merde, je sais plus moi-même. Redline Racer. $500. Pour Dragon Sky, bravo à lui. Le jeu du tabouret, mais qui des bêtes. Mais qui des bêtes, Fenfen. Fini, oui. Dragon. Quoi? Non, 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 Dragon Sky. Oui, bravo. Effectivement. Voilà, 500 points rajoutés sur le compte de Dragon Sky. Bien joué! Ah ouais! Il a fait tomber le tableau. Alors. Ah, il avait proposé aussi Carmageddon, mais non, c'était pas Carmageddon là. D'ailleurs, Carmageddon, vous l'aviez trouvé dans un précédent tableau. Alors. Fais-toi plaisir, Twinsen. Fais-toi plaisir, FunFan, pardon, parce que FunFan, tu es mon modérateur, tu me fais des clics, tu m'aides beaucoup. Je te laisse libre choix de me... Bah, entre 1 et 70. Entre 1 et 70, vas-y. Tape un numéro. C'est toi qui, au pifomètre, va proposer un tableau mystère. Je retire les déjà trouvés, parce que comme il n'y a plus le... Il n'y a même plus l'indice, d'ailleurs, il n'y a même plus besoin. Oh mon dieu, je me suis trompé de... Alors, attendez. Ah, Frobose. Alors, 70 et 34. 70, 34, attendez. J'allais dire, en même temps, vous avez gagné le droit de revoir ma tronche. 70, 34. Bougez pas. 70, 34. Je crois qu'on a fait ni l'un ni l'autre. 70, 34. Eh ben écoutez, je vais faire dans l'ordre de réactivité. Là du coup, c'est vrai que ça ne s'adressait pas directement à toi Frobose, mais également je vais te mettre à l'honneur. On va faire celui de Frobo 70. Et promis, FunFan, quand le 70 sera tombé, je mettrai le numéro 34. Je m'y engage. Je prépare mon mémo pour compter les points. Tac, tac, tac. Alors attendez, bougez pas. Comme ça, on fera les deux à la suite. Je blâme, blâme, blâme. Alors, vas-y voir que je t'efface tout ça. Donc, on va commencer par le 70 et le suivant, normalement, devrait tomber au plus tôt demain soir quand je rendrai l'antenne, ou alors le week-end prochain ou dans 15 jours, si vous coincez dessus. On va faire à la suite 70 et 34. Je valide les deux on les a pas fait. Donc, voilà, kiff kiff Bourrico. On va d'abord faire le tien, Frobose, comme t'as réagi entre guillemets plus vite. C'est d'autant plus surprenant que voilà, j'avais invité FunFan à réagir. Mais y a pas de souci, on est là pour s'amuser. Vous en faites pas, attendez. Ah, message merde. De FunFan 1992. J'ai toujours peur que Docteur Boutique rachète les tableaux mystères. Non, ça n'arrivera pas. Je ne céderai pas aux offres du Docteur Boutique.
Non, que non, que non. Ils sont trop précieux pour moi, mes tableaux. Bien content de pouvoir faire mes muses avec vous. Eh, puis sérieusement, c'est le boulot de... Là, les 70 premiers tableaux, un an de boulot à bosser quasiment une demi-journée par semaine, quoi. J'y passais mes week-ends avant. Et... Alors, je me suis éclaté et je m'éclaterai encore à en refaire bientôt des tableaux mystères. Mais... Le temps de chercher les images, d'inscrire dans le tableur et puis de faire le photomontage, eh ben l'horloge tourne, hein. Il y a du boulot quand même derrière. Enfin bon. Là, voilà, voilà, voilà. Alors attendez, le 70 que je me prépare. Oh, c'est gentil. C'est gentil, le 70, parce qu'en fait, il y a... J'attendrai 4 petites réponses de vous. Je regarde. Ah non, pas forcément. Il y en a peut-être un qui va tomber dans les 5 minutes qui vont suivre. Le reste, si vous trouvez dans les 5 minutes, respect. Ça voudrait dire que soit vous aurez joué le jeu, soit il vous aura marqué. Alors attendez. 70. Et par ce 70. Retourne au tableau mystère. 70, où es-tu? Numéro 70, et demandez à l'accueil, s'il vous plaît. Pas, le voilà. J'attends 4 jeux. Nierf. Bonne chance. Observez bien les 4 images. Point d'exclamation. TM. Espace suivi de votre réponse. Oulala, bonsoir Morbo. Alors, bon, exceptionnellement, comme tu connais mal le jeu, je vais prendre tes réponses, Morbo. Oui, coucou Morbo. Attends. Qui m'a fait Morbo? Il m'a dit. Oh là là, bien Morbo. Ouah! Ouh là là! Attendez, là, je suis pris de panique, là, du coup, parce que... Attendez, il faut que je m'organise. Ah, vous êtes bon. Moi, je dis bravo, monsieur Morbo. Mais attendez, et du coup, même moi, je sais plus à quoi ça correspond. Vite, faut que je regarde mes montages de tableau mystère. On a dit quoi, 70 hein? Patiente, dis. Alors que FunFan a commencé à regarder son Fort Boyard... Salut Fort Boyard, ça commence ce soir. Ah là là. On m'a dit que les tigres en 3D étaient plus beaux dans Tomb Raider. Mais Tomb Raider 1. C'est dire la violence du truc. Po. Ça vient d'être trouvé. Ah, c'est terrible. Ça vient d'être trouvé. C'est très fort. Attendez que je relise le chat. Alors c'est bien Morbo, hein, je te le dis tout de suite, tu vas marquer des points. Ouais, dans mes respects, tu vas avoir 1000 points Morbo. Oui, alors, comme il débute, voilà, j'accepte. Mais normalement, il faut faire point d'exclamation TM, espace, la réponse. Parce que moi, la commande automatisée, ça arrive dans une liste où j'arrive à voir qui m'a répondu quoi, à quelle heure. Ce qui permet de départager les litiges. Mais je te l'accorde, Morbo. Et c'est bien, c'est ta première participation, ça fait plaisir. Merci, merci. Bienvenue à toi. C'est ça. Voilà. Et la réponse, voilà. T'as tout compris, Morbo. Non, on peut pas échanger contre des dizaines russes les points. Mais ça te permet de te recréditer en Berga, qui est diminutif de Bergamote, la friandise de Nancy, ma ville. Les Bergas sont en fait des points de chaîne qui te permettent de faire le foufou après dans la boutique. Si tu veux regarder après la boutique, tac, tu regardes le lien. Je propose. D'ailleurs, je suis pas à jour. Il faut que je mette à jour les chapeaux. Je suis en retard sur les chapeaux, je suis désolé. Ça fait depuis 2 mois que je gère plus les chapeaux, mais bon, c'est l'été. Oui, alors attendez.
Donc, les bonnes réponses de Morbeau, Sapin, Roi des Gorées étaient Primal Rage et Krusty Fun House. Donc, le Krusty Fun House est en haut à droite et le Primal Rage est en bas à gauche. Voilà. Bravo, Morbeau. Il va falloir que je fasse un copier-coller complet de ton pseudo pour être sûr que je loupe pas les points, la saisie. Première fois que je te enregistre dans mon tableur de score. Non, pourquoi il veut pas le copier-coller? Et pourquoi il m'interdit le copier-coller, le salopard? Bah oui, copier le pseudo. Je veux dans mon tableur, moi, le... Voilà! Je l'ai, Morbeau Sapin, Roi des Gorées. Alors, Primal Rage, déjà, première bonne réponse. Et ensuite, tu m'as bien répondu. Voilà, mon tableur te reconnaît. L'autre, c'était le Krusty Fun House. Magnifique, bravo! Et la classe de reconnaître au premier coup d'œil. Bien, bien, bien. Donc, une bonne réponse vaut 500 points. T'en as trouvé deux. Et ben, je te donne 1000 points, mon cher Morbeau. Très bien. Ah! Je fais des bêtises. Ah, le talent, oui, tu peux le dire. Bravo, bravo. Parce qu'il est impossible de me copier. C'est vrai. Tu es trop original pour ça. Alors, je vous relis dans le chat hein, quand je dis tatatatata. Parce que ça va tellement vite et ça demande tellement de concentration. Le tableau mystère, pardon, pour moi. Des points, on peut les échanger. Voilà, le talent. Non, ça va acheter à jour dans le chat. Tout seul. Alors, les autres réponses, qu'est-ce que vous m'avez proposé? Je regarde. Alors, le coup, c'est pas Porsche. C'est pas Porsche. C'est autre chose. Voilà, ce n'est pas Porsche. Je peux pas valider. Je dis bravo. Je dis bravo Frobose, qui l'a trouvé. Ça y est, j'accepte plus les propositions parce que Frobose a trouvé. The Legacy, Realms of Terror. C'est bien ça. Alors c'est dingue! Celui que je pensais que vous allez trouver en premier, vous l'avez toujours pas trouvé et vous m'avez fusillé tous les autres. Waouh! Ah c'est génial! Même en tant que créateur, j'adore le tableau mystère. Vous me surprendrez toujours. Alors là, GG à vous! Waouh! Et 500 points pour l'ami Frobose. Yeah! Bonne réponse. Hop! 500 points. Pouk. Alors, moi je vais regarder à qui je vais faire un relais de chaîne. Blah. C'est qui diffuse là? Oh mon dieu! Oh mon dieu! Oui, vous m'avez écrit plein de trucs. Ah ouais! Tac 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 tac. Pilote automobile. Non, c'est pas ça. Pas ça, c'est pas ça. Ah. Des choses. Alors attendez, je réfléchis. Alors, je suis en kékiné. En fait, je vais vous laisser rapidement choisir dans un vote. Alors, je vais pas vous dire chez qui on va aller. Je vais vous dire quel jeu vous préférez. Il y a deux jeux. Alors, avant que j'oublie, ou sinon, c'est ça. Voilà. Ah ! J'ai écorché le nom du jeu. Alors, relais de chaîne pour quel jeu ? Voilà, vous avez
2 minutes, ça va être très rapide. Moi, ça va me permettre de faire les salutations. Voilà, je vous laisse en même temps jouer au tableau mystère et vous pouvez voter. Je vous laisse le choix entre Digimon World et Nioh. Choisissez par jeu avant même de choisir par diffuseur. Voilà, ce qui vous ferait plaisir à la suite de mon signal. Parce que moi, évidemment, vu l'heure, je vais aller me restaurer puis je vais aller faire dodo. Donc, je coifferai demain dès 9h au mieux, en espérant que mon ordi ne me fasse pas un caca nerveux avec la webcam ou autre chose. Je vous dirai à demain 9h pour du Final Fantasy. Ça fait... Ça doit faire 3 semaines, je crois, que j'ai pas fait de Final Fantasy. Il faut pas que je perde le rythme. Ah, 2 votes Nioh, 1 vote Digimon World. Ok, vous avez encore un peu plus d'une minute pour voter. Quoi, les nouveaux lions de Fort Boyard de quoi? Qu'est-ce que vous avez balancé? Frobose, le nouveau roi lion de Fort Boyard. Ah oui, c'est vrai! Avec son son émoticône, son avatar, oui, dans ne serait-ce que dans Discord. Je vais y arriver. Oh! Qu'est-ce que j'ai pas vu? Oh! Qu'est-ce que j'ai pas vu là? Oh mon dieu! Oh mon dieu! J'ai vu une bonne réponse. Ah, oh, bravo, il l'a trouvé. Ah, oh, bravo, Frobose. C'est bien. Need for Speed Special Edition. C'était ça. Oh là là, il est tombé ce soir le tableau. Vous êtes redoutable. Oh mon dieu, encore 500 points pour Frobose. Bien joué! Ah bah c'est bien, je suis ravi que vous appréciez le jeu. Et ben bravo. Oui, le 50-50 touchait plus à rien. Bien vu, Morbo. Ah mon dieu. Tac 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 tac. Je regarde. Quoi? Oui, mais bon, Skoda Dunkerque Tour Challenge, c'est moins reconnaissable déjà. Ah bah oui. Alors, tac. Message de FunFan 1992. Le résultat, 2 voix partout, égalité. Oh mon dieu! Ah, vous êtes terrible! J'aurais dû voter! Oui, c'est bien! Oui, c'est horrible à dire, mais du coup, ça aide! Alors, sinon, comme il y a égalité, je vous laisse le choix. Quel diffuseur? Et puis, on va se quitter sur le deuxième tableau mystère. Mais je lirai pas les réponses. Je les compterai demain. Là. Alors, quel type user? Vous avez... Et vous avez... 2 minutes, allez hop. Bon, maintenant vous connaissez les diffuseurs à qui ça correspond. Choisissez. Alors, mince. Oh, ils m'ont torché le numéro 70, mais c'est pas possible. Alors attendez, j'aurais fait une manip dans mon tableur. Copier coller. Bon. Voilà, très bien. J'accepte. Et oui, on est déjà le 2 juillet. Ah, je fais une erreur de saisie. Hook. Ah, il a pas voulu dupliquer mes données. Mais non, malheureux, pas comme ça, comme ça. Voilà. Les réponses demain. D'ailleurs, je suis bête, j'aurais dû mettre la date de demain, le 3, puisque je regarderai que les réponses demain. Nah. Ah, tableau numéro 34. Vous êtes redoutable. Alors, le 34. Le voilà. J'attends 5 réponses sur ce 34e tableau. Comment j'ai jamais fait le 34, ça m'étonne. Il m'a l'air tellement familier. Ah ouais, non. Jamais fait. Bah dis donc. Alors, hop, ça je coupe.
Tac, voilà. Non, je veux pas voir vos réponses, non. Oh, tout message de FunFan1992, résultat 4 voix pour Hero et 1 pour Dev. Je vois. Donc on va aller chez l'ami Hero. Waouh. Et bah dis donc. Bon bah merci à vous toutes et toutes d'avoir été là. Je vais mettre le tableau mystère en cours dans quelques minutes sur mon Discord. Hein. Comme ça vous pourrez retrouver le... Vous aurez le temps de cogiter en antenne voilà, toute la nuit, tout demain. J'en ferai le point demain en fin de journée quand on aura fini de faire les fous sur Warmastan Armageddon. Peut-être à peu près à la même heure. Alors, peut-être un petit peu avant 21h quand même parce que le lendemain, ce sera le retour de la semaine bien chargé. Enfin bon, bref. Wally Wallou. Eh ben merci à vous toutes et toutes d'avoir été là. Je crois que j'ai pas loupé d'événements spéciaux. Merci hein, pour le relais de chaîne, ta modération, les clips fan. Merci à vous toutes et toutes pour votre présence. Je suis ravi d'avoir partagé ce moment vidéoludique en votre compagnie. Merci aussi des anonymes, YouTube, etc. Même ceux qui regardent là maintenant en étant hyper discrets et en ne disant rien. Merci à vous d'être là. Je suis toujours ravi de pouvoir vous divertir, vous changer les idées et que vous puissiez supporter mes âneries. Voilà, merci tout plein. Bonne soirée, bonne digestion ou bon app si vous êtes déjà à table. Enfin, encore à table, devrais-je dire. Voilà, prenez soin de vous. Moi, je vous dis rendez-vous demain à 9h pour du Final Fantasy sur mon antenne. Wally Wallou. 4, 3, 2, 1, bisous, ciao! Ciao. Merci. Bisous.